Bonjour à tous, bienvenue, 20h minuit comme d'habitude, pour cette soirée de promotion des grades. Soirée compliquée pour certains qui devront quitter la police, d'autres plus heureux qui vont monter en grade, et d'autres qui pensent rentrer dans nos rangs, mais qui ne le pourront pas. Et certains, malheureusement civils, vont être maltraités le restant de leur vie dans la police pour être des machines de guerre, des armes à tuer. J'espère que ça va bien, après ce petit discours magistral qui sert à rien. J'espère que vous allez bien, merci à tous, merci Eurotruck TV d'être venu follower la chaîne cet après-midi, merci beaucoup. Bonjour tout le monde, bonjour Ryan, bonjour Yo, bonjour mon général, bonjour tout le monde, soyez forts, soyez prêts, vive la France, vive Altis, vive moi, vive Délé. Non, je plaisante, bon, merci à tous, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Discord, n'hésitez pas à venir sur YouTube, revoir les lives et les gameplays. Enfin, voilà, bon, j'ai quelques petits problèmes de matériel, je préfère le dire tout de suite, parce que j'ai tout modifié cet après-midi, et il n'y a plus rien qui tient, voilà. Mon fond vert ne tient plus. Enfin, il y aura des cagades certainement dans la soirée. Mais bon, tant pis, on fera avec. Ok ? Donc voilà, ce que je tenais à vous informer de ça. Sinon, est-ce que vous êtes chaud patate pour ce soir ? Est-ce que vous êtes chaud patate, les gars ? Parce que si vous êtes pas chaud patate, je coupe le stream. Bonne nuit tout le monde et à demain. Non, est-ce que vous êtes chaud patate ? Il y a du monde ? Je vois déjà qu'il y a Yo, il y a tout ça. Bon, allez. Vu que vous êtes pas chaud, eh ben ça va commencer. Y'en a un qui a buté là-bas. Bon, bah je vais en profiter pour un coup. Là, Dédé ? Ouais. Bon, information du coup pour notre ami Tierfi, du coup. Non, c'est pas bon. Donc il repart au prix. Il repart ? Non. Du fait que bah, le point que Ditana a soulevé, que ça faisait pas mal de fois qu'on le reprenait avec les histoires et tout. D'accord. Donc il est pas bon et puis je crois que c'est tout sur le bah vous voyez hein. Sur le résumé du truc. Bah écoute. Faisait. C'est la garde de chasse ici, ça se passe comment là ? Je sais pas, c'est la police ou c'est la chasse ? Ah je sais pas. Ah mais c'est le ministre, je comprends mieux. Ouais. Ah merde, non, c'est pas ça, pardon. C'est ça. Bon, je suis permis de... Salut les Tarlouzes. Ouais. Bah alors on s'est beau gosse, on s'est fait beau gosse pour moi ou quoi? Bah c'est mon préféré. Ça va, voilà, on s'est fait beau gosse pour moi ou quoi les gars? Ah ouais, bah, je sais pas, il est par terre et tu payes combien nous a zappé derrière l'époque. Ça dérange pas quand on aura terminé. Tu donnes combien? Bon, alors. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Octogone. Non, mais ça a peur de notre puissance. Mais respect, mon commandant. Ouais, vas-y. C'est des hommes, ça? C'est des hommes, ça? Ah ouais, bah putain, y'a du boulot. C'est l'élite. Oh, y'a 4 heures sur garde la pêche. Bah, je vais rester comme ça à Dédé alors. Ouais, ils sont où Viper là? Là, à votre qu'est-ce que t'as, toi, t'as un problème? Négatif. Ok, ça va. Hyper cher. Ouais, voilà, on se met là. C'est qui la voiture? Il n'a pas le temps. Rien. De quoi? Ça va, monsieur le ministre? Tu vas bien? Et vous, ça va? Ça va, tranquille. Ouais, tu t'en sors avec tes hommes? Ouais, ça va. Y'a pire, mais y'a mieux quoi. Ouais, c'est une blague, une banque ou quoi? Quoi? Ils attendront la fin de notre somme. C'est pas mort, lui? Et y'a pas de problème, hein? Une banque? Ouais, une banque, moi je sais. Tout le monde a ses équipements prêts dans leur véhicule, tout le monde a des priorités. Mais respect à tous. Elle va te mettre du temps. Désolé pour retard. Ah, il y a quelqu'un. Toujours le même hein, de toute façon. Personne. Bah les Tarlous, vous faites quoi là? Je
problème, vous commencez à lancer en fait. Bonjour, commencez à lancer. Ah, mon colonel, mon général, vous allez bien? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein. Ouais, bah hier. Ah oui, hier, ça va. Eh, PUBG là, tu fais quoi là? J'ai oublié mes cheveux. Alors monsieur Laporte, je sais jamais si vous êtes avocat ou magistrat. Magistrat. Ah bon, bah refermez la porte. C'est pas la première fois. C'est pour Viper, c'est ça là? Serrez un peu sur la droite les Je te laisserai gérer. Je te laisserai gérer ce qu'on prend pas en fait. Faire bam bam. Ça va compter jusqu'à combien pour être commandant? De quoi faire bam bam? Qui c'est qui me pose la question là? Genre je vais bien là. Et nous, mon commandant. Voilà, bah apprends à fermer ta gueule sur les rangs et tu seras peut-être un jour brigadier. Je vous l'ai déjà dit, un petit bam bam. Si sur les rangs vous êtes pète couille. Tiens. Viens, ouais, viens avec moi deux secondes. C'est qui ce monsieur là-bas? C'est qui lui? C'est à gauche. C'est qui toi? Ouais, mais t'es pas chez moi toi? Là t'es sur les Vipers là. Ouais, voilà, ouais. Et bonjour d'abord, merci, au revoir. Si, mais là, quand même, je vais te faire. C'est qui lui? Yop yop! Encore un coup de rampage. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi un coup de rampage? Mais j'avoue, j'ai sur le bruit, c'est pas grave. Allo Ah ouais? Allo? Tant mieux. Avant qu'elle avait des frères. Elle a lâché le monde. Ça va, Didier? Ça va et vous, les gars? Comment ça va, les gars? Alors. Bonjour tout le monde! Salut Anton, qui passe Silver. On suit les aventures du commandant préféré. Exactement, Ryan. Exactement. Ça m'étonne pas. Inch'Allah. Et paf! Dans sa gueule. Exactement. Oh. Bon, y'a personne? C'est moi qui reprends tout? Bon, allez, ta fiole, y'a vraiment un problème dans cette putain de police là. Problème? C'est. Je sais pas encore. Un problème de plomberie ou un problème de fuite? Ouais. C'est que vous prenez un peu trop de soleil à mon goût là, vous avez tous la police, les gars. Police. Bah ouais. Ça va, Cruz? Ok. Ça va, Rio? Bien. Non, ça va pas, pourquoi? T'as peur de pas passer le brigadier des chefs, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Ils sont chauds. Ah oui, tu m'étonnes. Ils sont chauds patates, là. Ils sont... Est-ce que vous êtes chauds patates? Ouais. Ouais, c'est comme d'habitude, y'a que Viper, quoi. Ah, bravo. Gueule, Ivar, il est parti. Pardon. Il y a une place. Et bah attends, pour lui. Ah, mais laissez-le. Merde, place. Non, mais la prends pas, Maxime, il va. Tout fait, c'est quoi ce gun? Je pense pas. La gun, hein. On s'avère. C'est Star Wars. Je tire des rayons lumineux. T'as jamais vu Star Wars? Bon, la LSD, il y a plein de nouveautés sur le serveur depuis la dernière fois. On va commencer. Ouais, carrément, yo. Du coup, on va commencer les hostilités par Viper. Je vous ai déjà dans un premier temps annoncé les résultats. Le prochain potentiel recrue et passer après par les potentiels up si il y en a. Tout à fait. Allez, les recrues, vous sortez les potentiels recrues, vous sortez des rangs, vous avancez, vous mettez face à les potentiels recrues, les gars. Ah là, mais vous êtes vraiment des blaireaux. Allez, toi, déjà, tu dégages. Oh là, ça se voit que c'est le lieutenant qui nous a formé. Hein. Ah bah merci, ça c'est gentil. Non, de rien. Bon, alors comme vous le saviez, vous étiez 4, je vous avais pas menti, il n'y a qu'une seule place à donner, d'accord? Donc je vais pas m'épancher, je vais être bref. Les 3 noms que je vais citer, je vais vous inviter à sortir des rangs et à suivre l'adjudant Agrest qui vous raccompagnera à la sortie. Donc je préciserai que maintenant les recrutements sont fermés, donc il faudra attendre une prochaine session de recrutement pour pouvoir postuler. D'accord? Est-ce que vous avez compris tous avant que j'annonce les noms? D'accord, ils ont super compris, ça se voit. Donc j'appelle Monsieur Anderson, Monsieur McGonagan et Monsieur Martin à sortir des rangs, s'il vous plaît, et à suivre l'adjudant Agrest. Félicitations. Putain, on va se taper toute la famille là. Ouais, moi je suis pas d'accord. Moi je suis pas d'accord là. Qui c'est qui l'a prise, elle? Bah c'est moi.
D'accord, et tu me poses la question quand? Bah, je vous l'ai dit, je vous l'ai envoyé. Donc du coup, Bellic, chantez-moi une chanson. Merde. Je voulais gérer la suite. Une chanson. Ouais, parce qu'apparemment vous avez été recrue contre ma volonté, donc je veux une chanson maintenant tout de suite là à mon effigie. Allez, c'est parti. Vous avez 5 secondes. 4, 3, 2, 1, 0. Vous êtes viré. Allez, vous sortez des rangs s'il vous plaît. Hop là, c'est parti. Non, je plaisante. Allez, rentrez dans les rangs. Félicitations, famille Bellic. C'est beaucoup. Oh putain, complet. Ouais, complet. Hey, super, à la radio maintenant on va appeler Bellic, il y a 3 qui vont répondre. Ouais, bah c'est ça le problème. Ah, ne t'inquiétez pas. Ça sent pas les pots de vin, ça. C'est bon, vous avez ramené Agrest. Ah, si. De toute façon, il y a que sur vous que je peux compter dans cette police. Et où? Quoi? Bon, on va commencer par le. Ouais, par les recrues, allez. Allez, Cabino. Jora Cabino, alias Dora l'exploratrice. Je sais que tu recherches toujours la carte, que tu cherches toujours à choper Shipper. Malheureusement, tu n'as jamais réussi à le choper, donc tu passes brigadier. Avec de la chance, tu le rattraperas. Allez, casse-toi. Bravo, commandant. Ouh. Égoïste. Merci, merci. En Allemagne, on dit souvent « Ich bin tout piste ». Toi, t'es East et tu resteras East. Tu prends un peu trop confiance en toi, fiston. T'es recru, fais gaffe. Ma main risque de partir très souvent sur ta gueule, si tu vois ce que je veux dire. Félicitations, tu passes brigadier au mur. Bravo! 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 S'en bat les couilles. Bah, lui, il est noir, j'ai pas trop envie en fait. Ouais, Douglas, viens là. Je plaisante. Douglas, t'es le sale black avec une barbe blonde que j'ai croisé dans ma vie. Et le crème violet. Ouais. Ce que j'ai croisé dans ma vie. Ouais, exactement. J'ai eu le coup de foudre pour toi immédiatement. Rien. Et depuis ce jour, je me suis dit, je vais peut-être pas le faire passer brigadier chef parce que il va un jour me dépasser. Non, je déconne, n'espère même pas. Tu passes brigadier chef, félicitations. Oh. Hey. Bravo. Allez vous faire foutre. Bellucci. T'es un bon tacticien, t'es un bon pigeon, j'allais dire. T'es un bon policier. T'es un bon policier. Non, c'est un bon gars, j'aime bien. Il fait des bonnes propositions tactiques, j'aime bien ce gars-là. Il passe brigadier chef, félicitations. Bien, fiston. Même potentiel gradé, j'ai une seconde. Il peut le faire. Sinid. Bon, salut fiston. On t'a viré, on sait maintenant pourquoi. Donc félicitations, tu passes brigadier chef également. Merci. Oh, ta gueule. Bravo. Bellic. Alors Bellic, il y a ton fils, il y a ta femme, il y a ta sœur, il y a ta tante, il y a ton cousin, il y a ta grand-mère, il y a ton grand-père, il y a ton arrière-petite sœur, il y a ton demi-frère. La police t'appartient pas, Bellic. T'es un ancien ministre. Mais dans ancien ministre, t'es ancien. Donc c'est bien. Ouais, tu fais du bon boulot, tu passes brigadier chef. Merci beaucoup. Bravo. Bravo. Ne m'appelisez pas aussi. Allez, Vini Vici. Bon, Albertino. T'es parti de Sierra, t'es venu dans Viper. Faut que tu t'habitues à ta nouvelle fonction. D'accord? Tu es récent, tu es nouveau. Mais là, j'attends plus de toi dans ces unités-là, si tu vois ce que je veux dire. Il faut que tu t'adaptes un peu plus. Il faut que tu fermes un peu ta gueule aussi, des fois. Et ça ira bien. Tu vois ce que je veux dire ? C'est mon commandant. Allez, au mur ! Octavia, à moi ! Respect, mon commandant préféré. Salut, coquinette. Bon, coquinette, tu viens d'arriver chez nous. Oh là, je te montre déjà mes pecs, là. Oh là. Alors coquinette, je te montre déjà, tu m'as montré ce que tu savais faire hier, tu te débrouilles plutôt pas mal, t'es une bonne doc, félicitations, tu restes adjudant mais tu restes dans le rang. Bravo. Bravo. Bon ok, toi t'es officier, tu restes officier, c'est pas moi qui te gère. Bravo. Moi ouais, c'est pas bien. Sierra, il est où le lit de Sierra? Il est pas là. Ah bon, bah vous restez. Félicitations les gars, vous avez super bien bossé cette semaine, vous restez à vos rangs. Hop. Bravo.
Voilà, j'en ai fini, mon général. Parfait. Allez, c'est parti pour vous, Cobra. Commandant, général, ministre. Alors, je laisse avancer les 4 candidats. Ah, venez. Tout en ligne devant. Oh, il va où? Oh, t'es parti où là? Il est parti dans la comète. Lui, il est... T'es pas encore refusé. Alors. Prends pas 3 heures non plus. Du coup. Oh putain! Du coup, dans les candidats, donc on a monsieur Tota. Vous êtes là? Oh putain, excuse-moi, Sergei. Bien, merci, Sergei. Putain, j'ai tombé. Merci, Sergei, d'avoir follow la chaîne, excuse-moi. Merci beaucoup. Donc, vous avez une semaine pour faire vos preuves. Monsieur Riol, pareillement, vous avez été retenu. Bienvenue dans la police. Monsieur Ramsey, c'est pareil, vous avez été retenu. Monsieur Tchoefeli, c'est pas pareil. Demande de réintégration a été refusée. Ah, l'appel là. C'est donc les trois nouvelles recrues, je vous laisse aller vous mettre dans les rangs. Et monsieur Tchoefeli, je vous laisse aller aux barrières. Au revoir. Rio. Oui. Accompagne-nous aux barrières, s'il te plaît. Ok. Donc, du coup, pour l'ensemble des Cobras, on a eu une semaine qui était largement mieux que la dernière. La dernière semaine, on avait des gros soucis. Donc, cette semaine, au niveau des présences, des communications radio, ça s'est nettement mieux passé. Donc, faut continuer comme ça. On va continuer à essayer de revoir les spécialités de chacun. Ouais. Et ça devrait aller. Il a la faute de ce lobe complet, genre là pour rien. Je vais appeler la recrue Faut Gambino. Faut qu'on cale un entraînement pour... Négatif, excuse-moi. Ah. La recrue Obama. Ouais. Obama. Du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de votre semaine? Occupe du coup du truc. Comment ça s'est passé? Ouais, je l'ai appelé, ouais. Ah, les deux. Fais les deux en même temps, ça va plus vite. Vous l'entendez ou pas? Non. On l'entend pas. Non. Il fait oui avec sa tête, je crois. Ouais, non, mais je le vois parler, mais... Elle a dire sur sa semaine. Donc le roi, en fait, vous l'avez pas pris parce que... Ah, il a déjà eu plusieurs chances, c'est ça? Après, moi, ça a été mon avis perso, après les autres ont jugé aussi. Ouais, plusieurs fois qu'on reprend. Ouais, c'était ça mon avis perso, c'est que on l'a déjà pris 3-4 fois. J'ai respecté tous les ordres qui m'ont dit. C'est ses chances. Après, c'est pour moi, c'est mon avis. Tainarios. Ouais, je vois ce que tu dis. En effet, votre présence, c'était vraiment bien. Tainarios, comment ça va? Rien à dire pour le reste. Bonjour tout le monde d'ailleurs, bonjour tout le monde. Vous êtes premier au grade de brigadier et continuez comme ça. Ouais. Merci beaucoup. Bravo. Ouais, bah oui. Recrue Santiago. Il a été premier, Gamb. Vous pensez de votre semaine, vous? Ah non, faut le faire en même temps que. Ouais, ok. Oh, c'est pour ça qu'il l'a pas promis. Bah non, c'est con, si tu peux me brigader et quoi. Vous êtes bien intégré bah dans oui, la famille, ça fonctionne des fois. Des façons de communiquer. Avec d'autres personnes qui peut être un peu agressif mais ça va. Donc je suis ministre, j'ai changé votre photo, hein, c'est toujours pas bon. Hein. Ouais, Santiago. Bravo Santiago. Parce que la barbe rousse, je vois pas une barbe rousse et les cheveux blonds, c'est pas encore ça. Quand t'es roux, frère. Bon pour ça, vous, comment vous êtes là? Très bien passé cette semaine. T'es roux. Toi t'as un problème. Mais non, t'es roux. Hein ouais. Mais sinon dans c'est vrai que t'es roux. Ouais, qu'on est d'accord, il est roux. Ouais, il est roux. Ah, ouais, il est roux. Ouais, il est roux. Ouais, t'as des reflets roux au soleil. Ah, ouais, tu vois, toujours des reflets roux. On parle du ministre? On parle du ministre là, non? Quoi? Non, je parlais du général. Vous voulez la guerre là, vous les deux là? Allez, nous on va y aller. Le ministre, vous êtes tout seul dans votre pantalon? C'est bien, donc continuez. Ouais, ce que ça. J'ai dans la ceinture, c'est un 12-7. Je parle pas ce que j'ai entre les jambes. Je te laisse dire qu'est-ce que j'ai dans mon sac. Ah, c'est pas un 12-7. Non, j'ai une P90 avec un chargeur de 50 balles. Pas de soucis, j'ai même pas peur. Au général, le commandant, monsieur le ministre, on est terminé avec Cobra. C'est bien, merci. Tu parles trop, fiston. C'est bien. Restez là, j'ai un peu la recrue Gambino en face de moi. Ouais, Gambino. En CP1, fermé là, merci. Ouais, c'est pas faux ça. Repos. Du coup, pour vous messieurs, sachant application
pour d'abord Monsieur Gambino, après sa réintégration dans la police. Nous avons décidé de vous passer au grade d'adjudant et de passer en solide cobra en test. De ce fait, vous, lieutenant Kanama, vous passez lead confirmé de cobra. C'est bien. Bien reçu. C'est bien pris, monsieur, général. Merci. Partez sur une période de test pour vous, Gambino, de 2 semaines. Montrez-nous encore ce que vous êtes capable. Capable de plus. Je vous donne mes outils. À vous de me faire une belle sculpture. C'est bien pris, merci. Vous pouvez regagner les rangs. Bravo, Gambino. Bravo, Gambino. Il fait quoi, Gambino, là? Il fait quoi, Cobra? Il y a du... Hein? Une recrue? Bah. Ah, je vais faire pareil dans Viper. Oh putain, on est dans la merde. N'hésitez pas. On est encore jeudi. Ça va. Calmez-vous, les chefs. Oh la gueule. C'est bien, c'est à vous. T'es pas sorti de l'auberge. Ah bah là, non. Commandant. Mon général, le ministre, respect. Vous, capitaine. Salut, fiston. Du coup, j'aimerais voir les nouveaux, s'il vous plaît, devant moi. Les nouveaux. Ouais. Monsieur Watson, Tommy Scarfield, s'il vous plaît. Faites-moi une jolie ligne. Là, c'est dégueulasse, ça, là. Bien. Donc, c'est quoi, ça? À l'heure actuelle, la voiture. Normalement, 3. Nous avions Monsieur Tommy Scarfield, Sirius Watson ainsi que Joker Mitchell. Monsieur Joker Mitchell actuellement n'est pas présent. S'en sortait avec une note de 16,75 sur 20. Une note, une très très bonne note. Et Monsieur Mitchell aurait pu intégrer le CPA directement. Malheureusement, bah, il n'est pas là. Donc tant pis pour lui. Messieurs, je veux dire que vous avez, un de vous deux, une chance de rentrer dans nos rangs. Vous avez tous les deux eu la note de 13 sur 20. Cependant, quoi, il y a une personne qui nous a marqué plus que l'autre parce qu'elle a été capable de répondre correctement à toutes les questions qu'on lui pose au début. Donc cette personne, actuellement, donc c'est Tommy Scarfield. Donc Tommy Scarfield, bienvenue dans les rangs de la police en tant que recrue et bienvenue dans les rangs du CPA. Je vous remercie. Félicitations à toi. Bravo. 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 Donc, je t'invite à retourner dans les rangs. Bravo. Bravo. Monsieur Watson, malheureusement, bravo. Votre candidature n'a pas été retenue. Donc, le lieutenant Diablo va vous raccompagner à la sortie. CPA est actuellement full. Donc, si vous voulez repostuler, il faudra repostuler quand on aura des places. D'accord. Allez. Ce lieutenant, je vais vous laisser accompagner la personne, s'il vous plaît. Le major. Ok. Je peux pas les clés. Je passe le terre un peu dans le. Dépêchez-vous, major, s'il vous plaît. Du coup, je vais courir un peu, apparemment. Devant moi, je vais la recrue Cooper. Recrue. C'est quoi cette connerie? Du coup, Cooper, bon. Macro, c'est bien, Cooper, CPA, c'est bien. Comment? Non, pas ça. Plutôt bien. Le message. Plutôt bien, t'as rien d'autre à me dire? Non. Dis Michto terrible. Non, j'ai Michto. Je me sens bien dans l'équipe. Ouais. J'ai repris un bon pilotage, je me sens plutôt bien. Ça te choque pas, le message? Ah ouais, les mecs, ils ont le seum. Pour l'instant... Les mecs, ils ont le seum, qu'ils ont refusé, c'est normal. Hein. Parce que, au grade de brigadier, choqué. Vu que ça fait une bah, il ouvre le casino complètement dans la station à son grade. Et ensuite, pour être validé de CPA, il te reste encore une semaine de test. Si, hein. D'accord. Merci, oh, beaucoup. Merci, oh, le PDG de l'autorisation. Ouais. Bravo. Comme je vous ai dit, monsieur le ministre, si vous avez le papier signé, moi. Oui, le papier qui est signé, mais. Aspect, allez donc. Vous pouvez prendre les usines. Avec les grades, c'est mon. Donc, je n'ai pas de papier. Mon lieutenant, de quoi, quel papier de quoi? On vous a fait passer des formations, c'est pas pour rien. Salut à nous. Bah ouais, j'aurais demandé pourquoi. Encore en fait. Ça oh, tu viens m'emmerder. Ah ouais, je m'en doute que t'as le seum. Du coup, 2 semaines que vous êtes dans le CPA. Mais ils en ont décidé autrement, qu'est-ce que tu veux. Rien à dire, vous avez pas envie de changer d'escouade, vous êtes bien là-dedans? Ah oh ouais, carrément. Bah, parfait. J'en demande pas plus. Non. Rien qu'à votre voix, rien qu'à votre ton,
Je sens votre motivation. Non, moi je vais pas up. Parce que vous soyez validé CPA. Et de plus, aujourd'hui, vous passez au grade de brigadier chef. Félicitations. Bravo. Donc félicitations brigadier chef, vous pouvez rentrer dans le rang. Ensuite, adjudant Yuga, s'il vous plaît. C'est chaud d'aider là, donner les petits badges. Comment, capitaine ? Les badges de quoi ? Eh bah devine mon grand. Chacun son tour quand même. Parce que là t'es, écoute, là, t'es solo là. Hein. Là je suis solo. Bonne semaine. Là tu vas carburer. Hein. Vous avez Bon, fin de service. Vous avez fait quand même pas mal de merde la semaine dernière. Mais bon, on va passer outre. Vous me les envoyez. Attends, je vais dire un petit mot quand même à la fin. Désolé, Yuga, continue comme ça. Reste. Bah, Amanda Oudor aussi. Pilotage s'améliore, y'a pas de soucis. Donc pour l'instant, cette semaine, tu restes adjudant. Donc on verra peut-être la semaine prochaine. C'est pour quand le mariage ? Donc continue comme ça. J'ai pas encore de date. Ok. T'es sûr, toi ? Tu vas pas faire une connerie. Hein. Allez, tu peux retenir... Si, tu vas faire une connerie, je te dis. Major Johnson, s'il vous plaît, devant moi. Il est pas là en plus. Non. Il est pas là. Ah, mais. Tu fais une erreur. Il y a plein de beaux gosses là, regarde. Il y a plein de beaux gosses là. T'as l'embarras du choix. Hein. Regarde, là t'as pris un tout petit avec des cheveux de mouton là. Prends un mec, un vrai. Il y en a plein là, regarde. Ah, mais. Tu te détends sur certaines personnes. Foutez-moi la paix par contre sur ça. Pourquoi t'as un de tes hommes derrière ? On peut voir au niveau de son grade, grade de majeur. Il faut quand même imposer certains. Si, on surtout. Il y a aussi un respect à avoir au niveau des personnes qui sont en dessous de toi. Donc. Fais attention à assassiner le rang là. Se marier avec qui ? Cependant, au niveau du CPA. Avec Ryan de la sécurité sociale. Sécurité sociale. C'est Affinity ça, non ? Ouais. Comprendre que tu avais fait ta demande. Je lui ai dit qu'elle allait faire une erreur, qu'elle allait. On avait s'il fallait en fait. Je ne peux pas toucher. C'est Affinity, c'est pas. Ouais, c'est Affinity. Allez, retourne dans le rang. C'est le mec là-bas. S'il vous plaît. Il fait chier qu'on parle, c'est ça ? Hein ? Mes respects. Restez pas content, Castro, c'est chez nous. Exactement. Ouais, c'est vous les deux là. Comment ça ? On te monte à prison, on te fera pas chier. Pareil, toujours autant de motivation. Prise de lead. Tu pourras regarder les barreaux, puis comme ça tu te trouveras peut-être pas. Je vais te mettre en prison. Vous voyez là ? Ça, c'est ce que je vous disais en fait. Sur un qui tient, ça saoule. Comme dirait un rappeur dans Cavala, si tu touches à un homme de ma clique, négro, tu vas me dire comme ça. Partenaire de 5 ans, tu vois. Une fois, oui, bande de physique corrompue. Corrompue. C'est toi qui nous a fait corrompre. Vous pouvez réagir, Bertino. Hein. T'es le ministre, si je baigne, tu baignes. Du coup, si je tombe, tu tombes. Fais gaffe, si un de ces jours, on va avoir le gouverneur qui va nous demander qu'est-ce qu'on fout. Ah bah là, on sera plus là. Il y a 2 heures. Ah, mais RTT. Vacances. Moi, je suis en congé parental. Bertino, tu t'en es sorti avec une note de 15 sur 20. Ça tombe bien. On accorde les formats à partir de 15 points. Tu as de la chance, c'était serré. Oh, ras le cul! Donc, félicitations à toi, tu as ta formation TE. Mais clair, on peut péter plus et puis c'est passé. Félicitations, vous pouvez retourner dans le rang. Ah merde! Vini Vidi Vici. Bien, j'en ai fini. Bon. C'est tout? Bon. Vas-y, Dédé, fais-nous un cri de guerrier. Bon! Moi, je. Comme d'habitude, j'ai toujours quelque chose à dire. Messieurs, la rébellion est à l'extérieur. Ils veulent notre peau. Lorsqu'une négociation est en cours, je ne veux pas que vous répondiez à l'agression. Entre une mouche qui vole autour d'une merde, vaut mieux être la merde pour éclater la mouche que la mouche bouffée par la merde. Vous voyez ce que je veux dire ? Non. Quel poète. En train de dire que t'es une merde. J'ai pas trouvé comme métaphore quand même. Alors, on va faire une autre métaphore. Ah, parce que celle-là, vrai. Vous êtes une toile d'araignée et la mouche qui zigzague est le rebelle. Il vaut mieux rester statique pour attraper la mouche que d'être une mouche attrapée par une toile d'araignée. Ça va mieux, là ? Non. Oui, mon commandant préféré. Oui, mon commandant. Bravo. En gros,
J'ai pas compris mon commentaire. L'image de la merde, ça veut dire que vous êtes des merdes en fait. D'accord. Voilà. Quand je vous vois zigzaguer comme des mouches à merde dans vos bagnoles, à suivre les voitures des rebelles au lieu de vous poster et répondre à l'agressivité pour commettre l'erreur, pour mettre une négociation à perte, le premier que je vois faire ça, le premier nom que je chope, je l'éventre, je lui pisse dessus, je le tue et je l'enterre. T'as compris ? Reçu mon commandant ! Bon, autre chose. Vous allez me créer une forme de cohésion dans ces groupes. Il n'y a pas de CPA, il n'y a pas de Cobra, il n'y a pas de Viper, il n'y a pas de Sierra. Il y a une unité, une seule, une institution forte de ces hommes et ces femmes, à ce qui s'appelle la police. Waouh ! C'est beau. Alors putain de merde, vous allez vous réveiller, vous allez créer des liens, d'accord ? Vous allez vous éclater, vous allez vous amuser, mais vous allez être sérieux quand il faut. Est-ce que c'est compris ? Oui, mon commandant. Voilà. Bon, sur ce, le magistrat va fermer la porte. Et moi, je vais procéder aux promotions dans le garage en colonne par 1, une fois que le général aura fini. Allez. Ouais, allez, viens, on dort. Messieurs, écoutez bien ces paroles. Ces paroles ne sont pas celles de Dieu, mais juste de Dédé. C'est presque pareil, hein. C'est vrai. Une chose. Bon bah désolé, je vais faire mon travail d'admin. Hop là. Il y a rien à dire, monsieur le ministre ? Non ? Ta gueule. Alors ? Bon, monsieur le ministre vous félicite et il vous, vous encourage à continuer à faire de la merde. Waouh ! Merci beaucoup. Et administration. Ou tous ceux qui demandent. Bah là, l'image va freeze, les gars. Faites de ligne, dépêchez-vous. Bobby, venez, bouge. Ainsi que de Odor. Bonjour Odor. Allez, faites de ligne, ne soyez pas fous. Bon, les Tarlouzes, vous allez pas commencer. Bon, okay. Dans mon bureau. Douglas, commandant. Faites de jolies lignes. Non, Douglas. Ne faites pas un gros tas de merde. Brigadier chef, paf paf, ouais. C'est bon. Ensuite, venez dans mon bureau. Obama. Allez, je veux une ligne dans mon bureau. Ok, c'est bon, vamos. Oui, il veut pas. Allo ? Allo, allo ? Je veux former une ligne devant mon bureau. Pourquoi je peux pas ouvrir ? Bam, bam, brigadier, c'est bon, ensuite. Bon, dites-le, je vous assure. J'arrive ! Attention. Vidéo. Bon, bah, il veut plus, ils ont tout fermé, ces enfoirés. Allez ! Bon pour tous, si vous restez sur la radio, vous préparez comme s'il y avait une banque. Je pense qu'on va faire un petit tour d'abord. Non mais il est pas. Moi j'ai pas la porte ouverte moi. Allez. Allez le deuxième il me dit quand t'es le premier s'en va. Allez c'est parti. Allez les gars. Allô. C'est Jorah Kabino. Ok. Tu vas voir Marc. Non et ce qu'il doit. Vous mettre, parce que pour information, je vois pas l'écran, ok. Jorah Kabino. Ok, va voir Martine et le suivant. Non. Et dès qu'il est parti chez Martine, le suivant il me dit qu'il est parti. Attends. Ouais. Qui mettre mon grade à moi. Paf. Et vas-y balance encore là. Allez. T'es encore parti. Il est tombé. Commandant. Il y a le coma. À tous, le commandant est coma. Le commandant Springfield Louis est coma. Ah ouais. You. Appelez la sécu. Ils sont dehors. Besoin de la sécu à l'étage. Pourquoi je suis coma? Écartez-vous les gars, laissez faire la sécu. Pourquoi je suis coma? J'ai mon galon ou pas? Pourquoi je suis coma? J'ai pas vu le coma. Et du coup t'as juste à faire de focus et de bouclier en plus. Ah trop bien un bouclier.
Wow. Oh, pilote. Ouais. J'ai du mal à parler ce soir, putain. Oh. Ah, merde. C'est le R ou... Aïe. Attends, hello le capitaine. Voilà, voilà. Hop. Oh. Tu prends de Red Bull. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, vos hommes m'ont dit que vous étiez bloqué dans le mur. Ah, d'accord. D'accord. Ah, d'accord. Merci, Doc. Bisous. Sur un canal 6. Je vais prendre une Red Bull, du coup. Ouais, ça y est, c'est fait. Spring Pelo, elle est bien mangée des murs. Jésus. Allez, suivant. T'es pas prêt, allez, suivant, les gars. Vertino, format PE 49, j'arrive. Non, mes yeux. Hop, c'est bon. Gavino. Oh les gars là! Allez, suivant là! Albertino, format TE! Vas-y, balance! Alors voilà! Albertino! TE! Allez, va voir Martine! Dites quand il est parti! Ouais, je te le dis, attends! Parti, j'arrive. Ah, je voulais du temps que je sors. Merci. Écoutez, c'est bon, il est parti. Ok, suivant. Arco du roi, adjudant. Bonjour mademoiselle, vous voulez que je vous ouvre la porte? Du roi. Vous êtes sûr mademoiselle? Allez, va voir Martine. Merci. Ils sont en train de se faire up, de toute façon. Non, c'est ça, j'ai pas de monstre. Vous me dites quand il est parti? Affirmatif, il est parti. Moi je te veux, t'inquiète pas, on peut ça. Liste du nom et Hugo du prénom. C'est Hydra, point, je le sais. C'est PA, passage canal 4, s'il vous plaît, merci. J'ai rien contre les PD, mais toi. Ok, on va voir Martine. Vous me dites quand il est parti? Tac, 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 save change. Ok, c'est bon, Jason, tu peux aller. Recrue soulée. T'es adjudant toi maintenant? Bah oui. Joueur solide. Le mec il a passé 8 grades d'un coup, ça c'est sûr. Adieu. C'est moi? Ok, c'est bon. Non, non. Passe brigadier chef. Nous ce qui est dommage, c'est. Ok, alors BSKA. SKA. Ah, t'es policier toi? Et je peux pas savoir si j'ai ma forme ATE à passer. Ah, tu peux aller voir Martine aussi. Ouais. Au revoir. C'est juste la forme ATE. Toto, vous me dites quand il est parti, les gars? Oh, bah, c'est des de format, putain, ouais. Ouais, c'est format TE, surtout. Le faut de la TE, elle est. C'est bon pour moi, Thuriel, ensuite. Ouais. Bon, et Martin, il monte ton string. La TE, elle est simple. Ah, comment tu sais moi aussi, là? Parce que. C'est quel angle? Je l'ai vu. Pourquoi déjà. T'as eu? Ah ouais? Non, mais. Enfin. Ah, bah, non, c'est une M249, je suis connard. Ouais, ça va, moi. Donc. Bonjour. J'attends. Accessoire. Non. Commandant, là, en train de se faire en route. Commandant. Hein? Commandant, en route. Quoi? Ils veulent me tuer. Peut-être passer bah, des recrues adjudant, toi. Putain, la vache. Attendez, ouais, ça s'appelle Moulin Express, quoi. Moulin Express, quoi. Ah ouais, c'est vrai. Salut! Attends, j'ai pas. Il est mort. Bon, c'est bon, tout le monde a été up? Ouais, je me bouge, moi de mon côté. Les gars, je vais l'autre chez. C'est bon. M249, quoi. Dire que j'en ai 8 dans ma voiture. Thiago. C'est quoi? Sur ma, bon, ma plaque, tu c'est vois. Bon, c'est bon, Damo, c'est... Merci. Ouais, retour Martine. Oh putain, fais gaffe. Attention, les gars. T'as failli te faire écraser par derrière. Eh non, tranquille. Mais c'est bon, tout va bien. Bordel. Allez, c'est parti, hop. Bonsoir à ceux que j'ai pas dit bonsoir. Bonsoir tout le monde. Comment vous allez bien? Lol, les comas. Ouais, bah t'es coma, je sais pas pourquoi. Dis à Don que c'est un con. Bonsoir tout le monde. Salut Taiko. Yo, yo, yo. Yo tout le monde. Tous ceux que j'ai pas vus. Bon, bah voilà. Les promotions, c'est fait. J'ai déjà rappelé la course, hein. Surtout avec les... pour nous les amis. Hein? Ranger les véhicules. S'il vous plaît. Ouais, je confirme.
n'a même pas la place pour faire nos dispatchs. Bah, c'est certain qu'on se voit tous. Mais bon, il y a des problèmes. Putain, je peux pas faire pop. Mais il y a trop de... Ah ouais, mais m'écrasez pas, mon grand. Ah bah pourquoi pas. Oh mon dieu. Un sale truc, hein. Ouais, je la vois pas. Raptor, Cross, Focus, ça part. Bon, c'est bon. Je dégueuille. Bon, Bellic, là, vous allez vous manier le cul ou quoi, là? Odor m'a dit d'attendre. Mais je sais pas si. Non, bah c'est Odor, il est brigadier chef, moi je suis commandant, allez, maniez-vous le cul là. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Alors regarde, il y a juste là, tu le comptoir. Oh, il y a le comptoir, il y a des petits trucs là. Ok, c'est bon. Après les viseurs, je vais essayer. Bah, ça vous entend, c'est les viseurs, je débrouille. J'en ai une, mais je suis pas sûr qu'il y ait de la place quoi. Bon, les Tarlouz, vous passez l'aspirateur après, sinon. Parce que j'en ai marre de le faire. Hop, c'est fait. Là, je suis encore. Hop, c'est fait. Ah ouais, bah ouais, c'est tellement bien fait que j'ai mis mes chargeurs au sol, merci. T'as de la place, essaye. Ouais, c'est chargeur quoi. Ouais, c'était super. J'avais un chargeur qui était au sol, mais c'est pas grave. Les gars, faites ça intelligemment. Moi, j'ai pris mon casque et tout, bon, c'est pas pénible. C'est trop bon. Ah, c'est ravi. J'en pose moins d'or, il y a un problème. Quoi? Et ça fait 3 heures qu'il attend pour être Cobra, sauf qu'en fait il était pas au bon endroit. Non, mais j'ai eu ma licence Cobra, mais je sais pas ce que je dois faire après en fait. On m'a paumé en fait, on m'a égaré. Je vous laisse, commandant. Bon, tu vas revoir Martine, le lobby là. Oui. Et t'as les carrés bleus à gauche. Tu vois les carrés bleus? Et c'est les places police. Ça. Tu vas là-dessus et tu te connectes. D'accord. Ok. Pas de problème. Allez, vas-y. Quand il y aura des disponibilités, ouais, seulement tu peux pas maintenant, c'est ça. Ah, je viens de le frapper là. Je m'en fous de ta vie. Vous voulez frapper comment? Non. Ah, mais devant le panneau. Ah, il est tombé. Il est tombé. Putain, mais. Bon, mais toi, j'ai rien vu alors, commandant. commandant, vous avez activé la GoPro? T'es sûr que. Tu veux te marier avec lui? Pourquoi? Bah, je sais pas, tu vois. Moi, je pense que ça tombe bien, tu vois. Parce que Ryan est quand même. Il a pas trop de couilles, quoi, tu vois. Il est encore coiffé comme un mouton, il est jeune, il a un pubis tout frais. Alors que là, j'ai des hommes plus intéressants, tu vois. Regarde lui, par exemple. Mike Obano, il te plaît pas, lui? Mike, viens voir. Mike, viens voir. Elle m'a dit qu'elle te kiffait. Ok, c'est moi, ouais. C'est moi. Elle aime bien les hommes athlétiques, un peu comme toi, viril. Elle dénonce de la tête, là, ce que je vois. Non, elle est d'accord. En fait, tu la mets sur une planche, tu sais, derrière, sur la plage arrière d'une voiture, et elle secoue la voiture, comme ça, elle secoue la tête, comme un chien. Tu te rappelles? Tu sais, les porte-clés? Porte-clés, des fois. Oh! Tu vois? Elle fait pareil, en fait. Ah, d'accord. Imagine le soir dans le lit, quand elle bouge la tête. Enfin, moi, j'imagine déjà des trucs, hein. Mon commandant. Bah, j'ai en train de regarder. Hein. Ah, je prends celui. Bon, on fait quoi, non? Bon, allez, vous cassez. Oh, putain. Bon, allez, bon concours, allez, c'est parti. Albertino pour Hawkeye. Tiens, tu viens. Suceur de chier. Bon. On est prêt. Voyez quoi, chef? Bonjour. Dev, t'as quelqu'un à la grille pour toi? Encore? J'en ai marre d'être demandé. Trop connu. Tu t'es pas comparé à un dieu tout à l'heure? Non, c'est Dieu qui s'est comparé avec moi. Oui? Qui m'appelle? Oh putain, merguez! Allez, on se casse. Qu'est-ce que tu veux? J'ai pas le temps, j'ai. Mais putain, Bellic, t'es encore là toi?
Ok. Okay. Si oh, Bellic! Vini, recule, il a dit. Bellic! J'ai pas pu prendre la place. Ah, plus de place? Ah, d'accord. Ouais, qu'est-ce que tu veux, Merguez? Bah, je vais te donner la petite carte, moi. Hein, ah, bah, ouais, bah là, on peut pas, on part en intervention sur la banque, fiston. Ah, ok, bah. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça marche, on se verra plus tard, ok? Allez, à toutes. À toutes, à toutes. Ouais, mais je cherchais, j'en trouvais pas, c'est pas ça, mais c'est bon. Oh putain. Non, c'est bon. Moi, j'ai entendu mon nom. Excusez-moi. Lance-toi, Pierre. Ouais, c'est là. Oh mon cerveau. Attends, Yama Boy, on se met comme ça. Ouais, ouais, bah, j'ai compris, j'ai rien. Ah, j'ai entendu. T'as un problème, Big Yo, là? Tu veux que je te fasse des tiens, au pire, gros, tu sais quoi, je vais te donner mon stuff, je vais me restoffer quand ça sera pris, tu vois ce que je veux dire? T'as tout là-dedans, tu vois. Ramasse. En fait, j'aimerais bien, genre, tu sais, m'équiper tout seul quand ça je vois. Je sais, mais en fait, on est une banque là, c'est pour ça, il faut faire vite. Ça pourrait être fait. Je te donne tout. Non. Oui. Et qu'on fasse la stratégie du parachute ou pas? Ouais, tu le temps. Ouais. Tu donnes après les résultats. Je vais prendre les du coup. Bah oui, je vais demander. Ouais, ok. Il me faut un merde. Il me faut un deuxième parachutiste. C'est pas grave. À présent. Alors, on est à force égale, attends, faut arrêter de déconner aussi. Là. Après, nous on a le shoot et la précision, quoi. Pas quand même. Attends, je vois là, Charmin, je suis trop lourd. D'accord, ok, super, ça dit Charmin, mais ça pense pas à moi. Ça, on vire et on vire un chargeur. Hein. On a enfin accès à la. Si c'est grave. Putain, elle est où par contre? Elle est là. 100 000! Ah oui, 100 000, c'est rien. Ça va, c'est bon. Le droit de quoi? Sur une banque, d'accord. Putain, c'est pas cool. Mais on a plus dans le dos là. Apparemment, il y a peut-être des commandes de commandant. Tu peux prendre la banque? Ouais, ouais. Qui t'a dit ça? Bah du coup la langue est pas je préfère. Ah merde. Bon, comment ça tiens? C'était les miennes. Ouais, j'ai j'en ai 30 normalement. Bon, je me vois même prendre le coup de tout ça, et puis le deuxième point en bas de la place qui est utilisé. Laser, rouge. Là. Et merci. Bon commandant, vous êtes sur la fréquence ou quoi? Du coup, je vous laisse faire le dispatch ou on s'organise comment là en fait? Bah, organisez-vous les gars, moi je vais prendre deux parachutistes comme l'autre fois là. Ok, ça marche, bah, je vous les envoie. Ok, c'est bon. On reste canal 6 et vous êtes avec le. Vous les avez déjà désignés les parachutistes ou pas? J'ai Bellucci. Tu t'es Calvin. Et il me faut un troisième. Ce sera Calvin. Oui, Calvin, voilà. Allez, pour tous les Vipers restants, vous venez au dispatch là, on fait ça rapidement et on va à la banque. Rapidement, merci. Ouais, ok. Moi j'ai pris ça là. Moi de Doc, je suis en train de voir avec la sécu tout ça, on les fait pas. Ok, donc pour toi Doc, c'est bon. En Red Bull. Plus de Red Bull. J'arrive dans 30 secondes. Bon allez à tous du commandant, maniez-vous le cul, sinon moi c'est le cul qui va que je vais vous chauffer là. Maniez-vous putain, il reste 8 minutes, 8 minutes. Il y a combien de balles dans le 150 je crois. T'as quoi? Regarde. Attends. Je vois pas les chargeurs gros. Trousse. J'ai pas assez de place là pour faire pour prendre une trousse, tu veux le dire. LP 75.8. Bah dis donc, chier. Ouais, non, ouais. Allez, c'est parti. Vous êtes beau, mon commandant. Ah, ouais, je sais. Toujours. Ah, pourquoi je sais pas cette place? Toi aussi, t'es pas mal. Il y a moyen, il faudra que tu me prennes des chargeurs. Tiens, il est général de la sécurité. La trousse, elle me claque dans les mains, mec. Mec, je crois que j'ai un problème, je peux pas acheter de trousse. Vous voulez la mienne, mon. Non, c'est pas celle-là. Attends, je vais essayer de trouver la moyenne. Supprimez rien c'est par la contre. Merde, je comprends. Je vais vous poser ma trousse, mais. Ta merde, mon commandant.
C'est bon, j'ai acheté. Gros, tu prends la tenue, tu sais. Alors, c'est laquelle ? C'est-à-dire, tu prends l'or, gars. Charmad, va falloir que. Je pense que ça va bien prendre des répolis. Ouais, shirt. Alors, nous, on prend juste la tenue, c'est tout. Oula, j'ai juste la tenue que. Y'a un hélicoptère sur le toit ou pas? Touche à rien derrière. Ah, vous nous larguer, vous? On va à haute altitude. Quoi? Cobra, à 6 minutes 30, je vais tout m'en. Ah non, y'a pas de silence. Au pire, tu peux donner une meilleure arme, je pense, pour l'opé là-bas. Tu m'as pris pour. Ok, les parachutistes, vous montez sur le toit de la BK là et on embarque dans l'hélicoptère. Salut! Allez! Non, quoi? Garde de là. Ça va être la nuit en plus, on va rien voir. Bah ouais. Nous on amène déjà un coup, hein. T'as entendu? Hein? Oui, on amène déjà un mec. Ouais. Les nuages noirs viennent du nord, colorent la terre. Les lacs, les rivières. Et le décor. Bon. De la banque d'Altus. Bon, du coup, j'ai 14 heures sur moi, mais je prenais des OAC au cas où. Si jamais tu fais malheureusement. Prenez quoi? J'ai pris un lynx, une LVOAC. Si malheureusement, toi, tu viens à. Tu vois. Merci, Momo Starsky. Merci à toi d'avoir rejoint la famille. Rejoins-nous aussi sur Discord et sur YouTube pour voir les lives et les vidéos. Merci, mon petit Momo Starsky. Merci beaucoup. Ouais. En vrai, ils ont des grosses couilles à faire ça. Ça me veut le dire. Bon, je vous parle pas trop ce soir. Non, ça va ou quoi? Tout le monde va bien? Mais on peut mettre. Merci pour Springfellow. Faut pas tout derrière parce que là. On se met. On arrive avec Snake dans l'hélico sur le toit. Ah, fille, je suis déjà dedans. Oui, on pensait qu'on allait sur la piste d'atterrissage. Par contre, à toute la police là, vous avez fini de ranger vos véhicules. Hein? S'il vous plaît. Hein? Vous les prenez les parachutistes ou pas? Ouais, ils arrivent. Je t'ai pris de chargeur. Ils arrivent. Ah, t'es à l'intérieur? Ah, oui, je suis derrière. J'ai même pas vu. Voilà. L'aile. Il y a 249, hein, du charbon. Ouais, problème 249. Tout cassé avec cette limite. Par contre, si vous n'utilisez pas les armes ici, les gars, vous supprimez. Hein. Ouais, mais pour l'instant, c'est un peu plus. Regarde ce que je tape dedans. Mon laser rouge. Oui, je le vois. Yep. Tiens, à la limite, tu pourras prendre une fausse, comme ça je vais reprendre un chargeur. Ouais, ok. Je mise dedans, hein. Tiens, je t'ai mise la mienne, comme ça je vais pouvoir reprendre un chargeur. Cool. Je t'ai mise dans ton sac, Oh, du coup, les hélicos, on est très trop lax avec la puissance. Prends un chargeur, c'est pas parfait. Les buts. Bah, allez, quand vous voulez, les gars. Et on a combien à prendre? C'est pour. Dedans. Mettez-vous à l'arrière, les gars, s'il vous plaît. Ouais, c'est bon, commandant. On en a fait 4 minutes 10. 3, c'est bon. Allez, on est parti. On est bon pour nous. Tiens, tu voulais me voir tout à l'heure ou pas? Ah, il me bourrait, gros. Need! J'ai assez de chargeurs ou pas là? Il est parti aller chercher à bouffer. Ouais. Plein de chargeurs. Ah, c'est le moment. Ah. On va déjà spot ce qu'il y a à spot là-bas. Ouais, faut que j'ai trouvé MK10, je pense qu'ils sont au bon endroit. Spot carré. Spot. Attends, t'inquiète pas, je sors l'hélico. Attends, faut que j'augmente la distance, je peux vraiment plus. Tu fais la même besoin d'atterrissage ou pas? Parce que je suis pas en tireur, donc je remonte. De quoi? Besoin d'atterrissage au côté du fort? De quoi? J'ai pas compris. Côté du phare, on fait la même zone d'atterrissage. Oh, on peut le phare aussi. Hein. On peut. C'est le château, mais ça va être chaud, hein, y'a personne. Si on a besoin de renfort, c'est soit ça marche, soit ça marche pas. C'est soit on a des nouvelles qui permet de prendre les. C'est ça. Déjà, c'est la vie, je pense, pour nous.
Ah mais nous on va déjà jeter ce qui se passe et après... Après on fait braconne là-haut. Ouais, on commence à gagner l'altitude. Ça donne c'est plus cher. Oh, je croyais que ma putain de salut la porte. Alors, la porte de prison, comment il va? Merci d'être là, mon petit. T'as bien mes blagues à deux balles? Ça te plaît? Qu'est-ce qu'on voit déjà? Il y a un Living Bird à la porte d'entrée, enfin dans le barrage. Ouais. C'est pas là. Ouais, Mike, tu montes aussi. Je vais les mettre. Tu viens pas me voir avant d'être. Avant de te connecter. Ah bah ça va alors, on va s'éclater. On ira à la boîte à cul, tu vois, c'est ça. Allez, je suis ici. VL. VL, je pense qu'il couvre depuis la maison là où on était la dernière fois. Ouais, ouais, ouais. Je pense. Si c'est la. Pour voir qui c'est. Si c'est eux, ils vont s'attendre à Guantanamo. Mais j'ai préparé une autre surprise. Au cas où ça se passe mal. Et il y a deux hélicos dans le. Il y a quatre. Une banque. Je suis bien spot la banque. Transmettez. Dragon, on a des parachutes. Non, au départ, je pense. Reviens pour toi. Hein? Non, moi je vous entends pas. Chaud. Thank you.
Ouais. Bon, ça c'était moi. Oui. En fait, pas de quoi tant que dans du coup, je crois. Dragon 2, on a deux Pax dans le bâtiment blanc à droite de la banque et un Ifrit à l'intérieur de l'enceinte qui bouge. Ifrit pour s'y avoir une deuxième boîte de chips, la tour armée, s'il vous plaît. Ah, y'a un Pax là. C'est positif, c'est déjà check, un VL dessus. Est-ce que vous pouvez regarder, j'ai mis sur carte. À la limite, on peut directement en fils parachuter pour la bande. C'est bien pris, on y va, okay. Sinon, on peut se dropper directement sur la bande s'il y a rien. 5, 6, le truc, c'est que c'est super rapide. Ouais, on fait le tour dans la tour. On fait un petit check. Au pire, on... Les mecs, parce que moi, les intermédiaires, il y a peut-être un mec qui est posé par moi. C'est pour ça que quelque chose en traverse. Il y a un véhicule en face de... Enfin... Deux véhicules en face de... Et ici, le tour de l'autre. Là, il est à nous. Je sais pas ce qu'ils veulent voir.
pourras nous lâcher, tu partiras loin et tu reviendras. C'est gentil, c'est gentil. Voilà où on a dit. Ici ? Moi. Ici. CDD, salut, j'ai une absence imprévue et il y a rien sur moi. Non, il y a rien sur moi. Grade, ouais, c'est comme d'hab, grade. On va être pressé brigadier là. Va venir me voir avant de me courir. Ouais, je sais que c'est Dylan masqué. Tout à droite du coup. Tout à droite d'ici. Oh là, là. Je vais prendre là. Ouais bah là, là ou là, ouais. Là où on arrivera à terre. Parce que moi, voilà quoi. Non, je déconne. Bravo, on a débarqué. Ouais, j'ai vu. Là. Alpha, zone claire sur nous. Bon, tu nous le dis dès que c'est bon. C'est pas vite pour Reaper Lead. Au niveau du fort, je vous ai mis un point vel. Est-ce que vous pouvez aller le clean? C'est sûrement un TE. Ouais, c'est pour tous en face d'Alpha, on a un Tao armé. Ok, donc sur tous les acteurs, on va d'abord sur Alpha. Doc pour CPR. Transmet. Est-ce que vous pouvez aller clear le point clear en dessous de Sierra, s'il vous plaît, pour la PMA? Pour tous les Vipers, le Tao est à droite dans, les, dans le petit bosquet à notre droite là, avec les maisons. Sur Viper, il est en mouvement. On se méchant. Ouais, c'est parti. Le seul mécanisme qu'on a vu, on a mis un point dessus. Ouais, okay. CPA, c'est possible d'avoir un peu de soutien aérien sur vous là, pour faire pression sur le terrain. S'il vous plaît, gars, qu'on fait des coms, dites votre nom. C'est pas ça, on va le faire ou quoi. Ça tire sur Alpha. On a un qui a des valises chez vous là. On sait pas qui c'est, nous Alpha, les gars. Dites vos noms, s'il vous plaît. Sur Alpha. Dans la maison, tu vois. Pareil pour Viper. La clear. Alpha, là j'ai un souci, j'ai mon pilote, il est bloqué, je peux pas le descendre, je peux rien faire. Ah, bravo, on vient de chercher. Gaz. Négatif, ça tire.
Les gars, faut shooter le machin armoré. Ouais, le pack s'il est encore en vie, il y en a un encore dessus. Les deux ils sont derrière le véhicule. Les deux ils sont derrière le véhicule pour cette perte. Il y a l'un de commun, il y a l'un de. Dédé touché. Il se relève, il se relève encore, il se relève encore. Oh, c'est bon, c'est bon. Devant le véhicule. Bien joué, Dédé, c'est bon. Tu l'as vu? Je l'ai vu, c'est bon? Ah, c'est bon, vas-y, tu peux te lever. Douglas, Pax, comment? Attends, je me soigne. Un qui a repris le véhicule. Le véhicule est repris. Nickel, hop. Monte. Il est retake down, je crois. Oui. Ouais. Dragon, attention, du TE, c'est au niveau de la banque. A tous, c'est bon, un Pax Neutra dans le point ABL. Info? C'est lui, il a... Tu l'as fini? Tu l'as fini ou quoi? Ah si, j'ai pris sa radio. Il a recassé. Oh. On va reprendre le chemin. T'as enlevé son GPS? Enlève tout GPS et tout. Ça va? Prends la radio. East, j'ai vu deux Pax sur le toit de la banque. Je suis sur la radio. Ok, tu gardes la radio, tu enlèves son GPS. Tu as enlevé son GPS? Ok. Radio, tu veux sortir quoi? Ouais, vas-y, moi j'en ai une aussi. Ils vont changer bientôt. Ok. Je sais qu'il est pas des trucs qui m'intéressent. Enlevez lui 164.3. Enlevez lui ça avance au GPS. Hein. Il est mort, mais il est mort. Il va. Oh, je sais, Brain. Il va. Non, il dit qu'il les a Brain. Ils sont un peu dans le mal, hein, franchement. Ouais. Eric, c'est chaud pour les TE de TD. Bah, c'est bon, je suis sur la banque, j'arrive. Eric est sur la banque. Faudra que je me remette à couvert pour me soigner. J'ai perdu John, hein, il s'est fait exécuter, j'ai plus de. Ok, c'est le nôtre, je crois. Ok, est-ce que tu veux que j'essaye? Ouais, mais non, il y a combien de RC? Allez, va, ça va? Non, mais c'est bon, je vais me cacher dans les trucs. Oh, je venais de prendre coma, je viens de me réveiller. Je vais réparer mon véhicule, puis voilà. Ouais. Prends l'homme 320 ou quoi? Est-ce que tu veux que je sais combien? Ouais, prends-le. Négatif, c'est bon, c'est rien, c'est ça. Je suis en train de repartir, je vais me soigner sur le chemin. Go. C'est chaud là, les Viper là, on va sécuriser le château en haut. Vous voyez en face de moi, il y a un. Ah, le chuteur. Ça va. Odeur. Ouais. Si tu vois, quand t'es mal clear en dessous de Sierra, faudrait essayer de clean là-dedans en fait. Comme ça, les clés vont venir en MH9 et ouais. Vont se cacher. Ouais. Ok, bah j'en ai un message. Ok, ils ont parlé d'un gourou. Ils sont dans le mal. Ouais. Y'en a un qui est parti se réfugier dans la banque. Ils savent que lui ici est mort. Et il reste des TE et on en a battu un. Ok. On va prévenir tout le monde qui a des TE. Radio. Bah, faites des gauche droite, hein. Faites des mouvements, n'avancez pas tout droit, hein. Sinon vous allez prendre une tête. Ouais, mais attention, il y a peut-être un autre mec dans. Merde, il y a peut-être un autre mec dans les parages, hein. Faites gaffe. Hein. Il y a un autre mec certainement dans les parages. Hein. Il est pas tout seul. Hein. Ok. C'est, mais je pense qu'il nous aurait rush en vrai. Ouais. Bravo,
Ok, CPA de unité parachutiste. Vous pouvez me faire un check thermique aux alentours de notre position, s'il vous plaît. TE abattu, je vais voir s'il n'y en a pas un deuxième. C'est reçu, on arrive. Merci. Bon, j'ai plus de radio. T'as dans quel ? Ah, je l'ai posé par terre et elle a disparu, je crois. Ah, merde. En laser, c'est ok. Alpha, j'ai mon véhicule qui s'est retourné. On a eu une perte chez Viper pour l'instant, c'est tout. Je crois que quelqu'un a détruit Yul. Vas-y, essaye de retourner. Tu dois le prendre sans l'arme donc. Ah bah tu l'as. Ouais. On prend la voiture et on se bourre. Le Dragon 2, il y a un mec dans le bush à côté de la banque. Il y en a une. À l'entrée. On prend la voiture. Elle était où sa voiture? Elle était où? Là, 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 là. Vas-y, on embarque-le dans le trailer, on va l'emmener à la PMA là. Non, c'est là, on s'occupe de ça. Je suis là, j'arrive. Oh, elle est sur la route. Attendez, bougez pas, je sors. Le loup bouge. De Cooper pour DDA, a priori, c'est clair à votre position. Bien reçu. Bien reçu, merci. Ah, il a foutu la bagnole dans l'eau. Oh, putain, c'est n'importe quoi ça. Oh là là. Papier, on laisse Freddy. Okay. Bien pris. Je vais par contre, je prends une distance de sécurité. Ouais, les parachutistes, on se regroupe. Ah ouais, il l'a foutu à l'eau. D'accord. C'est pas lit, j'ai un signe thermique quand même. Restez prudent, on dispose pour suppression. Oh putain. Il fait plus jour d'ici 10 minutes environ. Ouais. Bah, c'est pour ça qu'il faudrait qu'on se poste maintenant, comme ça on est tranquille quand il fait jour. Ouais, vu que moi j'ai pas d'NVS sur mon site, c'est pour les Vipers, on va commencer à se rapprocher de la banque tout doucement. Bravo! On va passer par la petite forêt là, en contrebas de montagne, comme ça on va pouvoir coller le bâtiment direct. Que je vois, on n'a pas beaucoup de pertes en voir aucune. Hein. Non, pour l'instant, ça va, c'est pas mal. Ça va, parfait. Pour l'instant, c'est pas mal. Fais gaffe, ça va arriver sur nous là, apparemment. C'est bon.
gauche. Info, CPA sur nos positions. Vous tirez sur quoi? Je suis pas la banque. Ah, reçu, d'accord. Bon, on est en position sur le MK10, hein, en cas où. De Viper, on est deux Striders, on va arriver au corps à corps de la banque là. Reçu. Sécurisé l'est ou pas? On pense, on a rien vu en tout cas. Clean, affirmatif. Reçu. De Cooper, attention, dans le rendez-vous, il y a des TE. Cooper pour Viper, faites attention, il y a un TE au Lynx dans le bâtiment à droite de la banque. Point sur carte s'il vous plaît les gars, si c'est pas mieux. C'est le commandant, on va investir là-dedans. Attendez avant d'investir la banque, qu'on tout le monde soit là. De Viper c'est reçu, allez, on investit pas. Allez pas plus vite que la musique, tant que la tour armée soit sécurisée et après on pourra commencer à rentrer. On va en bas qu'il y a des gens qui... Ouais. Little pour tous le fort Clean. De Odor on a pris une air. Attention, il y a des airs autour de la banque les gars, faites attention. Et maintenant sur zone les gars, c'est sécu. Répétez. Il y a Mingbird sur zone, est-ce que c'est sécu? Où est-ce qu'il est ton Mingbird? Il s'approche là. Je pas comme ça, attends vous. Little pour tous, est-ce que le fort Clean à vous? Le fort est clean normalement, oui. Après, on n'a pas un visu dessus en permanence, donc. Affiché. Sherman pour Gambino. Allez. Une fois que la tour est clean, descend la majorité des hommes au niveau de la banque. Merci, mon petit Silver. Merci beaucoup. Merci, mon lapin. Dragon 2, vous avez un homme sûr dans le bâtiment repère de gong à droite quand vous rentriez et dans le gros plan. C'est bien pris. Bon, et vous sur le chat, comment ça va? Non, c'était pas une D5, bon, non, il vous a vraiment take down. Ma bonté me perdra. Pour les Vipers, mettez le canal 2 en additionnel, s'il vous plaît, je suis en train de vous parler dessus. Test. Donc, je disais, est-ce qu'il y a des Vipers qui ont leur bouclier? Ah, fille, les parachutistes, on a deux boucliers. C'est surtout pour les Striders que je veux savoir ça. Bah, normalement, c'est systématique, tu dois en avoir. Ok, bien pris, je préfère être sûr. Ok, bah, bravo, on en a un tous les deux. La magie d'Arma, lol, c'est ça. Springfellow, le ML dans le lot, c'est un bug du MK10 normalement. Ouais, ouais, t'inquiète, y'a pas de soucis. Pas de problème. Y'a quand même pas mal de bugs avec MK10. C'est déjà chier ça, c'est une bonne idée. Ça s'appelle Petite Malheur. Pourquoi il bloque toujours les messages stop bouti là? Vous faites trop de join en fait. Je vais le mettre en illimité. Hein. Je vous le mettrai en illimité là parce que je vois que vous éclatez avec ça. Là.
Hein? Il est où, c'était les Mingburn là? Non, le Mingburn il est où? Il part direction l'entrée de la Sierra, un V là au-dessus de moi. Bravo, vous êtes où là? On est là. Pour Bibi et Mou. Elle écoute. Bon, j'ai un V au-dessus de moi, est-ce que vous pouvez essayer de l'autre base? On se plante. Ouais, c'est ce qu'on veut. Ce qu'on... Sherman, j'en vois un, je vais shoot. Vas-y. Il y a un bel au-dessus de l'autre. Attendez, moi je vais sur le commandant et tout là, je crois qu'ils sont communs. Non, négatif. On est immobile, on est une branchage, on est un arbre. D'accord, excusez-moi, j'avais pas l'info. T'es sûr que le VL c'était pas bien? Fais chier son verre. Putain. Moi, je casse les couilles. Hein. Il y a un Pax dans le gros bâtiment à gauche du tarus. Putain. C'est casse-couille. Les mimeurs repassent autour de la tour là. Je vais me l'acheter avant l'heure, moi, le Elgado. On va s'occuper de ces dogs. Hein. Les Strider au niveau de Shaman Ditton, évitez d'écraser les buissons, c'est notre couverture. De Sarantes pour Sherman, je pense que ça bouge plus, c'est commun. Parfait. Pour info, le Pax que j'ai traité, il est tout au fond de la banque, à côté du bâtiment coffre. Cobra Lead, aux unités Cobra, mettez en vous en position devant la banque quand même. Étant... Récapitulatif des Pax, du coup à l'entrée, bâtiment repère de gang, à droite, Pax. Les autres, c'est vraiment quand c'est à faire tomber les coms sur les Pax à l'intérieur, si vous en avez. Y'a rien dans ça. Ça va, Jason? Ça va. Parfait, merci. Déodore, on va rentrer dans le camion à l'avant pour le faire bouger là. Faut qu'on puisse rentrer avec les trailers. Vos unités Cobra, collez-vous au mur. Oh non, y'a une autre RC. Attention, il y a une RC au dehors. À la gauche de la barrière. À la gauche de la barrière. Ah, okay. Le chipot dedans, ça avance un petit peu. Ah, bah, Douglas, je vais me la prendre comme ça, il n'y aura plus de problème. Nick. Ça sert à rien, si on sait qu'elle est là, on y fait attention à cette. De Oda, on vous ferait un passage, là, on retire le premier cas. L'unité au sol avec le bouclier, l'air c'est juste devant toi. Pour les unités qui vont à saut, vous balancez fumigène pour vous couvrir des potentiels Pax. Pour Viper, une fois que Cobra est rentré, on fait la même chose, on se met en colonne d'assaut et on va en soutien. Bravo. Shaman et Serantes, il y en a un qui prend le repère de gang de droite, l'autre de gauche et vous faites suppression le temps que Cobra rentre. Reçu. Il y a des shoots dans le bâtiment de droite. De Serantes pour le bâtiment de droite. Tiens, reçu, vous aurez le passage clair pour le bâtiment de droite grâce au camion. Pour les Viper, on se mettra en colonne d'assaut sur le mur à droite. Compris. Je prends des chutes de TE de Cobra sur les. Pour les Viper, vous rapprochez du mur, on va se mettre en colonne d'assaut pour Alpha Bravo Charlie pour les en soutien. Excusez-moi. Dragon 2 pour les unités à l'entrée au bâtiment repère de gauche à gauche, il y en a un aussi. À gauche de l'entrée. Allez, vous venez sur moi, on met en place la colonne d'assaut les Viper. Venez sur moi. Bien, il y a un TE les gars, moi je. Ok, moi je te laisse venir parce que sinon je suis pas safe. Ah, on a Gambino qui a. Gambino à terre, Gambino à terre. Ça tire depuis le bâtiment principal de la banque. Ok Bellucci, tu vois le bâtiment qui est en face de nous là? Dernier étage, en dessous de l'hélicoptère. Doc pour Andorre. Ah écoute, c'est possible d'extraire le commandant. Compliqué pour le moment. Je suis juste après là, t'avances un tout petit peu, tu me verras. Je me suis réveillé, t'en fais pas besoin de Viper, on va investir le bâtiment de droite, nous. Bâtiment de droite.
bouclier en tête et derrière les soutiens, c'est parti. J'aurai un droit de fumigène. Billy, tu passes en numéro 2. Billy, tu passes en numéro 2. Obamo, à ta gauche, fais gaffe, il y a une... Odor, tu prends avec ton bouclier tout ce qui est devant, avec l'autre on prend tout ce qui est latéral et arrière. Ah, si vous pouvez vous allonger, vous passez à côté, en dessous du camion de droite. Charge. Odor, putain, c'est un test, refait sur pression sur les bâtiments. Qui est commun? Le temps qu'il progresse. Pas quoi? Bah non, je suis pas commun. Tu es pour nous. Où? Allez, pour tirer, vous rapprochez de l'avant. N'hésitez pas à courir l'arme dans le dos si vous pensez que de radio en fait. Cédric, tu vois ça? Ouais, parfait. On a une radio pour sniper dans le diffusif. Merci. Allez-y, on vous soutient. Yo, ton coma là? Ouais, c'est toi, en fait, je t'explique, j'ai pas de radio. Et je peux pas savoir si t'étais coma ou pas, je suis en train de parler. S'il y avait un mec, j'allais pas parler. D'accord. Je croyais que coma, Est-ce qu'on a encore des conducteurs de Strider avec nous ou pas? Il y en a dans le Strider une radio si tu veux. Une radio dans le Strider? Ouais, t'es bon, Strider, il vient récupérer la radio. Ok, le vélo tu fais des abattus 1 sur votre bâtiment droite. Ouais, moi bâtiment droite, moi il y a un second à l'étage au-dessus de vous. Normalement, il est coma lui, mais je suis pas sûr. Hein. C'est bon, c'est shooté sur l'hélicoptère. Essayez d'avancer là. Bellotti pour Odor. Ouais. Au-dessus de toi dans le couloir, il y a un mec. J'en ai abattu un sur les deux. Dans le couloir, sûr. Ouais, je l'ai vu sur le couloir, il y a pas de problème. Alors moi, je check tous les bâtiments s'il y a un. Dès qu'on passe à côté d'un bâtiment, je check. Charine, pour synthèse, essaye de regagner notre position. De l'Apple pour Sierra, j'entends un Strider au-dessus de moi. Ouais, on a plusieurs Striders sur zone VHX, ça va aller en ce moment. C'est à nous, c'est le doc. Au fort? Charmant, ouais, Octavia, est-ce que tu peux coller ton Strider au mur, s'il te plaît? Arrête de tirer. Vas-y, colle-le. Attention-moi, viens, on va se mettre de l'autre côté. D'Apple pour Sierra, je reste en snipe sur. En théorie sur le fond. Charmant, tu fais gaffe, tu sais. Ouais, attends, je me souviendrai après. On va avancer un peu? Ouais, si. On va aller dans les buissons là-bas? Ah bah vas-y, bouge pas alors. Ah, y'a deux Hummingbirds sur zone en fait. Essaye de te coller au mur. Ok, à tous pour les unités banque, le bâtiment de droite est sécurisé de Viper, on va sortir, on va continuer de progression, terminé. C'est bien pris, Sierra. Info. Si tu veux que je me colle plus, faut que tu sois on va investir le bâtiment. Bouge, Sherman, bouge. Dans le gros bâtiment blanc, le carré à droite de la banque. Tu risques de brûler la visu. J'en ai couché un, mais il est dans l'escalier. Dans le gros bloc. Pour non, je peux pas, merci quand même, Octave. Le dragon 1, un des 1000 barres a fait bon, on s'occupe du deuxième. On va continuer comme ça. On a Douglas qui est tombé comme un arbre. Unité
Cobra, on est un peu bloqué sous un feu nourri à l'entrée. On a un tireur à gauche, un repère de gang et un tireur à l'entrée. Il écoute. Ok, Sierra, vous vous rapprochez de l'avant, vous prenez position là. Faut qu'on me couvre à l'entrée, je vais extraire un blessé. C'est un peu chaud hein. Voyez un max de fumée les gars. Chamco. Vas-y, je cours. Ils sont tous dans les bâtiments repères de gang ou dans les autres bâtiments, vous confirmez? 10 tonnes pour Stadler Medic, à vous. Transmet. Vous êtes où? Tu sors et tu vas à gauche, on est dans le buisson dans le premier. Ensuite. Couverture à l'entrée, s'il vous plaît. C'est bon, merci. Info sur le bâtiment en gauche, repère. Je le marque. Impact traité, j'étais à mon bilan. Impact traité en Yuming de Bibi. C'est reçu de Cobra, on va avancer dans la cour principale. Vas-y, monte-le, Sherman. Tiens, de détonner, il va marquer. Un risque stabilisé pour rien et un risque de perdre des hommes pour rien. Quoi donc? Ah, stabilisé dans le lent. Sherman, j'arrive. Tu me tapes sur les points une fois. Douglas traverse aussi. Quand t'as traversé Douglas, tu m'appuies sur la direction des bâtiments dangereux là, en face de moi. De Bellotti, hein, battu. Bah si, si, ça marche. Bâtiment de gauche, les gros bâtiments, avec un hummingbird au-dessus. Et il est tout en bas. De Cobra Lead, bâtiment principal, allez, on a un tir dans les escaliers. À tous, pour Viper, on va rentrer dans le dernier bâtiment au fond de la banque sur notre position, on va le sécuriser et terminer. De Bibi pour CPA au-dessus du Yuming, est-ce qu'il reste un pack derrière les rochers? Derrière qui est Yuming? Au-dessus de Yuming Rebelle. Le Dragon 2, vous avez mis une balle abattue. Bellotti pour Odor. Je peux faire un sur-cœur pour Yuming. Quand tu vas passer au niveau de l'escalier, bâtiment en face, il y a un mec qui t'attend en noir. Il est habillé en noir, je l'ai abattu un des. Ouais, un mec dans les escaliers, sur la position, un mec dans les escaliers. Confirmez bâtiment veux... Est-ce que vous confirmez bâtiment repère de gang droite, je clear? Reviens sur nous, je reviens sur affirmatif, Clean. Est-ce qu'on a des comas sur la... N'hésitez pas à fournir un tir de couverture là, vu le nombre d'unités que vous êtes là. Voilà. On a Oka qui a pris des coups là. Oka qui coma, Oka coma sur la position. Mais là tu touches. Vous avez un pack en dessous du bâtiment, Lucien, un petit humide. On va avoir besoin de soutien sur le bâtiment de droite, s'il vous plaît, là. Ça vous tue du bâtiment central ou de votre bâtiment? Du bâtiment central et de notre bâtiment aussi. Le Snid, est-ce que je peux prendre un trader pour aller extraire Bellotti? Rich, serre-toi, hein, serre-toi. Le dragon, est-ce que quelqu'un voudrait qu'on le pose sur les toits pour qu'il puisse descendre et prendre un backstop? De Bibi, j'ai un pack. Ok, un pack en face, les gars, faites attention. Derrière Bellucci, il y a un pack. Donc là, je vais devoir commencer sur ma position. Non, le charlatan. Yo, est-ce que tu m'en sors? Ouais. Est-ce que tu veux qu'on te dépose au niveau du toit des bâtiments? Non. J'ai pas de plié donc ça va être risqué, non. Moi j'ai. Celui qui est avec Yo. Dedans, je me sens. C'est quand même foutrement risqué. Hein. Dernière fois, ça pas a marché. Seul par contre. Odor pour Doc, est-ce qu'il y a moyen que vous rentriez dans la banque ou pas? C'était sûr. Ça pitch. C'était sûr. Bien joué à lui. Bien joué à Portman.
Bah ouais, ça arrive hein. Channel switched. Ah bah rien, en plus j'ai mon bug. Hein. Oh, merci de jouer Mario. Tais-toi, t'es malin. Quoi ? C'est bon ? Ouais, je suis là. Bah allez, c'est parti quoi. Ouais. Putain, il m'a baisé dans les escaliers le Parkman. Putain, l'enculé. Il y a eu deux snipes. Ah merde. Oh putain, il m'a bien baisé lui. Je te le dis. Moi, il y en avait un qui était derrière moi au final. Ouais. Dans le bac ? Laisse-les, ça c'est tous ceux qui reviennent de la banque, ça. Ah, fille, fille, je sais, mais bon. Vas-y, on va leur faire une petite poursuite et tout, viens. Oh, oh j'espère que je vais tomber sur un nom que je connais. J'ai moi aussi. Ah ouais, 2 kilos snipe, bah nickel. Deux Nicolas... T'aurais dû monter avec ton bouclier vers sa position. Bah ouais, mais il m'a pris de bac en fait. Parce qu'en fait, je me suis pas retourné assez vite. Ah, moi aussi, moi il était dans mon bac dans la colline. Et en fait, je m'en suis. J'aurais dû y penser, mais en fait, j'ai vu qu'il y avait un mec qui me regardait au télémètre depuis la banque. Et je pense qu'il a indiqué ma position, à mon avis. Ah. Du coup, j'en ai battu deux, dont un à travers le mur, dans le bâtiment repère de gang droite. Lui sauter à son cœur. Bon. Ah, c'est il reste encore pas mal de flics, hein. Ça devrait le faire. Ouais, je pense. Ouais. Alors, restez, je sais pas, moins de 10, je pense. Ouais. Ouais, je m'occupe un petit peu de vous sur le chat là, parce que là, du coup, avec l'action, j'ai pas trop causé avec vous là. Comment ça se passe là-dedans ? Voilà, dit Yo-Yo. Bah, ouais, voilà, ouais, c'était sûr que j'allais me faire crever de toute façon. En fait, qui c'est qui m'a dit ça ? J'aurais dû. C'est abusé avec cette arme. T'aurais dû monter avec ton bouclier vers sa position. Bah ouais, mais le problème, c'est qu'il était derrière moi, en fait. En fait, je suis monté les escaliers et j'étais tourné. Et il m'a tiré de là, en fait. Donc, il avait mon côté latéral. Mais bon, avec un lynx, hein, ça pardonne pas. Hein. Problème du lynx, quoi. Problème du lynx, il utilisait encore un corps. Oh, putain, j'ai aimé. Oh. Mais bon, c'est pas grave. Ça. C'est le jeu. On s'est fait baiser. Après, c'était bien joué de leur part. Hein. Là, maintenant, tout le monde s'en va, donc. Comme je suis mort. C'est comme ça. Mais après, on est encore une bonne vingtaine sur le site, donc. Ça va le faire. Sauf mon porte-monnaie, quoi. Porte-monnaie, ça va pas trop le faire, en fait. Mon porte-monnaie se vide, Maxime. Ah, bah, moi aussi, il me reste 4 millions. Putain ! Sérieux ? Ouais. Putain, mais tu vois pas. Faut que je fasse les payes là. Ah, bah tiens, je vais faire les payes là. Vas-y. Putain. Distributeur. Compte police. Il est où le compte police là. Ouais. Oh. Oh, je suis fatigué ça. Pour l'air femme. Ça joue bien, c'est bien. Blob, je trouve que c'est ça ensemble. Ça rase.
Alors, tu disais que tu portes un truc cobra. Mais c'est quoi la différence, en fait, à part la couleur et le symbole, entre celui-là et celui-là? En fait, c'est deux cobras, en fait. C'est... Je sais pas qui c'est qui m'a dit ça l'autre fois. Ouais, t'as pas remarqué que tu as un truc cobra? Bah non, en fait. Pareil, juste la couleur qui diffère. Allez, on a eu ma cagoule, là. Cagoule, là. Ah, si. Oh. Oh, j'ai foncé, à chaque fois, là. Ah, ça pue ses épaulettes, hein. Ouais, c'est comme ça mon petit oméga, hein, mourir pour mon pays, hein. C'est beau. Tu sais quoi, je vais prendre une Spar 16 parce que j'en ai marre de la 6,5. La 6,5 elle couche pas en fait. Ouais, enfin 6 ça va en vrai. De près en tout cas tu couches très très facilement. Ah ouais. Elle est pas mal de près. Je trouve qu'elle met coma et les mecs ils se réveillent quoi. Après le problème des batteuses c'est tu fais un demi chargeur si t'as un silencieux dessus. Pas du tout. On va s'enrayer tout le temps. Ah ouais, ouais. Oh merde. Non pas du tout Stevers. Les beats ne mettent pas pour mon siège. Merci de penser à mon derrière. Mais non non pas les beats non. Les beats en fait c'est pour améliorer en fait c'est pour récompenser ton streamer par le biais du Twitch. Que j'ai compris en fait. Donc en fait, ça m'est versé. Putain, ça me casse les couilles, ça n'a l'air rien. Vraiment, j'en achète un Elgato. Hein. Et non, pas du tout. Il n'y a que les donations. Par exemple, là, Twitch m'a averti qu'ils allaient me payer tous les bits et tous les abonnements, par ma part de streamer, début juillet, pour le mois de mai. Donc c'est pas mal. Voilà, je suis content. Au mois de juillet. Merde, NVS, il est où là? Pas de NVS là-dedans? RCO, RCO, DMS, AMS, NVS. Putain, tu sais, j'avais vu un NVS là. J'étais pas fou. J'étais pas fou. AMS, chargeur. On s'en fout. Oh, salut toi, j'ai déjà vu quelque part. Ah bon? Toi aussi, tu t'es fait baiser? Eh bah ouais, je me suis fait baiser par les gars de chez nous en fait. Ah, c'est bien ça. Au moment où j'entends, allez les gars, il faut leur donner du soutien à Viper. J'entends des tirs et boum. Ah bah ouais, bah ils nous ont bien soutenus. Merci mon petit Stevers. Bah ouais. Merci mon petit Stevers. Plaisir, t'es oh yeah, t'es oh yeah, me font plaisir, Stevers. Merci, tiens, nana, merci, merci, mon petit cheers, mon petit cheers. Alors, donc j'ai changé la disposition de mon setup pour info, pour avoir enfin penser en je pensais avoir plus de place, en gros, mais c'est pas le cas en fait, pas plus de place, je suis plus étalé, certes, par contre, vous voyez. Ça déconne là derrière, là. Vous voyez là? Ici là? Hop là, hop là! Salut, c'est moi! Coucou! Et bah ça déconne. Donc avant ça marchait super bien. C'était un peu le système des mères de toi. Et là, le système des mères de toi, bah il marche plus. Donc j'en chie. Donc, ouais. Donc ça m'agace. Qu'est-ce qui t'agace? Mon système derrière moi. Là. Système?
Je t'explique rien. D'accord, ok. Enfin, c'est casse-couille, quoi. En gros. Voilà, c'était juste pour vous dire ça, en fait. Lol. Bah ouais. Pas mal la Marion, lol. Ah, t'as vu un peu la Marion, elle envoie du steak, hein. T'as vu comme elle est bonne. Je t'ai fait une rayure sans pare-choc. Eh merde. Je suis désolé, hein, petite rayure. Hein. Elle envoie du steak, ma louloute, hein. Wesh. Respect à tout le monde. Salut. Je vous aime tous. Ça tombe bien, t'aimes. Surtout, nous, on t'aime pas, en fait. Ah, bah merci, mon commandant. Préféré. C'est qui parle? C'est Ivar. Putain, Ivar, commandant préféré, bordel. Ah oui, mon commandant préféré. Ah, mon voilà, préféré. Putain, sans faut déconner. Dire au mec d'arrêter de vouloir bouger les Striders sans autorisation. Qui ça? Ça fait voler les Striders. Qui ça? Sneed, j'ai demandé la radio et il a dit oui. Il a dit oui. Ah, dit bah oui. Ouais. Ah, quelqu'un lui a dit oui, je crois que c'était un très haut grade, je crois que c'était le général, parce qu'il voulait me sauver. Le premier qui me passe un coup d'aspirateur par terre, je le défonce. Non mais moi, mon Strider à moi. Je sais pas, si Sneed il a demandé, il y avait un Strider police à côté de lui, il a dit est-ce qu'il peut récupérer moi sur sa position, on lui a dit oui. C'est pas le même truc. Ah ok, ouais. Parce que moi en fait, c'est que le mec a retourné mon Strider, hein, il était à côté, donc il a mis un gros coup dedans. À trois reprises, le Strider s'est envolé et malheureusement mon cousin est mort. Donc ça, faut qu'ils arrêtent les mecs. Quel dommage! Ah ouais, carrément. C'est plus dommage, c'est ignoble. C'est dommage. Oui, tout à fait. Je me sens très bien maintenant. Est-ce que tu te sens mal? Oui, très très mal. Ouais, je comprends, c'est la merde. Du coup, je viens au bureau des pleurs, s'il vous plaît. Ok, bah tiens, voir le général, c'est lui qui fait les bureaux des pleurs. Ah, reçu, mon compte. Moi, je fais que les bureaux des boss, tu vois. Oui, 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 bien sûr, bien évidemment. Non, mais je suis encore petit joueur, vous savez. Ouais, t'as un petit steak. Tout à fait. Ah, je crois. Ouais, tu m'as prouvé ça hier. Oui, oui, non, mais tout à fait, hein, moi, je... Bon, alors, excuse-moi, j'ai plus envie de te parler. Mon commandant préféré, au revoir. Petite question, quelqu'un pourrait me sortir des chargeurs de M... Négatif, c'est pas ton shop, tu le prends pas. Je t'ai grillé là. Et quoi? Des chargeurs de M280. Oui. M240. Bon. Ça a l'air de tourner dans Viper. T'en pensez quoi, les Gugus? Dédé, il inspecte la carpette à terre avec ses jumelles. Exactement. Exactement. Non, mais je vais pas vous mentir. Moi, je m'ennuie de torturer des gens, en fait. Ça me manque. Ivar, ça me manque. Comment? Ça me manque de torturer des gens. Oui, par contre, vous êtes blessé, mon commandant préféré. Ah bon? Bah, du coup, bienvenue à toi. Merci. Ah bon? Ah, j'ai pas de blessure, je me raconte. Ah non, c'est pas dégueulasse. Salut Chico, merci d'avoir follow la chaîne, bienvenue à toi. Rejoins-nous sur Discord ou si tu veux revoir ce live sur YouTube, tout est dans la description en bas. Merci mon loulou. Bienvenue à toi. Bienvenue Chico, bienvenue. Ouais. Commandant préféré? Ouais, c'est moi. Vous pouvez vous mettre au sol que je vous soigne parce que là vous êtes en train de vous vider de l'autre sang. Ah bon? Ah, c'était pas celle-là. Oh. Bah, je vois rien, moi. Bah, fais-le dégager. Ça, t'es vite, parce que ça se trouve, c'est peut-être à quelqu'un, donc tu les dégages. Je veux revoir le live de la balle que j'ai été mis à la banque, espèce d'enfoiré. Bah, oublie pas les bonnes manières, quand même, Vandadek. Tu reviens de terrain, t'es fatigué, ok. Bah, putain de... Putain de tireur de... Tu le mets à un endroit rangé si tu veux, mais tu les jettes pas dehors. Perdre rangère, c'est tous les 15 ans. Ah bah, tu vas l'avoir, elle est belle, hein. Ouais, t'inquiète, elle est belle. C'est bon, mon commandant préféré, vous êtes solide. Non, merci. Bah, excusez-moi, mon commandant préféré, je redresse mes recrues à moi. Ouais, redresse. T'inquiète pas, mon petit Juko, elle est sur YouTube, dès cette nuit.
sera disponible. Si tu te si tu viens sur Discord, si tu auras si tu viens sur Discord du coup, tu auras la notification de la mise en ligne. Quoi on se voit mais compliqué quoi. Quoi Et comment tu sais que c'est... et comment tu sais que c'est moi que t'as qui t'a mis une balle? Comment tu sais que c'est moi que à qui t'as mis une balle? Ah bah voilà. Et là qu'est-ce qu'il va répondre? Oh je sais pas. J'ai deviné comme ça. Comment tu sais que c'est à moi que t'as mis une balle? Ouais mais je rigole les gars. Je sais bien. Non mais c'est bien les gars. Franchement Jackson, t'as bien joué. Bah écoute, tu viens sur Discord, tu auras la notification dans mes vidéos. Dès que je publie sur, sur YouTube et il sera mis ce soir sur ma chaîne. Ouais. On le dedans. Quoi du coup, on peut pas, mettre dans la liste des tangos vu que. Vu que maintenant j'ai ma licence TE. Ta licence TE ? Ok. Ouais. Attends, on est pas assez nombreux pour faire. Si on reprend. Non, non, mais c'est. Écoute, si t'as un problème, tu vas voir le lieutenant. Et si t'as quelque chose d'urgent à voir, tu vas voir le lieutenant. Et binôme Charlie. Et là, le commandant, il m'entend ou pas le commandant? Parce qu'il vous entend, mais qu'il est en train de parler à sa webcam. Ouais. J'ai commencé déjà par activer le binôme Charlie. Le binôme Echo, on verra après. Le binôme Charlie est stadium. Non mais je déconne les gars, vous inquiétez pas, y'a pas de soucis. Une astuce pour gagner la banque, est-ce que tu veux vraiment l'astuce? Ah ça, ça m'intéresse. Si je te donne l'astuce, formation pour ça je n'aurai plus d'astuce. Appliquer la note de service et se mettre en soutien et toujours faire appuyer des feux. Mettre des feux dans toutes les directions. À chaque fois, à chaque arrêt, chaque contrôle. Non, c'est compliqué. Là. Il jamais au contact. C'est compliqué la banque. Au contact sur les contrôles. Mais vous faites tous quasiment, vous faites quasiment tous la même erreur. À 50 mètres du contrôle. Bah en fait, Juco, je savais que t'étais en haut. Je savais pas où. Moi, je pensais que t'étais dans l'angle, t'étais dans l'angle opposé. On pensait qu'on peut intégrer ça. Je pensais pas que t'étais directement derrière les escaliers. Après, si par contre, du coup, tu pars en patrouille avec soit avec des chargeurs grande capacité en fait. Et quand je dis grande capacité, c'est pas les chargeurs 60 balles. C'est les minimum 100 balles. Ouais, 100 balles. Après, si jamais j'ai un problème, qu'à un moment donné je demande un appui-feu. Sur bah, vous verrez quand je passerai au bal. Pour moi, c'est un enjeu. Et je tire. Quand je vais créer ma team rebelle, je vous le dirai. Non, c'est pas une info, je ferai pas une team rebelle. Bah, si t'as pas accès à la main, donc du coup, toi, ça sera limité, ça peut partir de brigadier chef. Vous m'intéresse plus. Dans ce, binôme mort trinôme. Les bateaux, c'est à partir d'adjudant. Il ne veut pas dire l'astuce. C'est par 16S, l'arme de la maison grenade en là. On a 3 bateaux. Ouais, c'est vrai. C'est compliqué la banque. Mais pour nous, ça allait très compliqué. En fait, la presqu'île allait trop grande. Je vais juste me rééquiper. Faut couvrir les collines, faut couvrir les maisons. Je me suis dit que j'allais passer à la ligne pendant quelques temps. C'est compliqué, hein. Et je sais pas. Je trouve que c'est plus rentable. Ouais, c'était très chute, sachant qu'on les a pris, quelques TE d'entrée de jeu. Donc, c'est compliqué. Bon. Écoutez. Ouais, ouais, bah c'est vous qui me faites bailler, les mecs. Je crois que tout le monde lève le camp de la banque. Bah, oui, c'est la fin de la banque. Ah, mon commandant. En tout cas, merci. Ouais, je suis là, ouais. En tout cas, merci à tous d'être là. Ça me fait plaisir. Pas de soucis. Vous êtes les bienvenus sur Discord et sur YouTube, les gars. Pour voir les lives. D'ailleurs, okay. Ouais, ouais, vas-y, je suis là. Dès que je dis pour qu'on parle, il fait. Vas-y, tu veux parler de quoi? En privé. Oh, tu me fais chier avec ton privé. Non, ok, putain. Non, mais savoir comment ça va se passer la suite pour Viper, quoi. Bah, vous êtes tous. Alors, là, en fait. Ouais, t'es viré. Voilà. Est-ce que tu peux mettre le grade police à Kalia me demande aussi sur le satellite TeamSpeak. Satellite TeamSpeak. Je crois que ça, on n'a pas les droits. T'as les droits toi? C'est un recruteur, il me semble que vous avez les droits. Je suis pas sûr. Mais si tu as. Elle est où, Bélic? Elle est où? On a passé un bon moment et malgré tout. Pas si rigide que ça. Carrément, mon petit Portman, j'aime beaucoup ce commentaire. Voilà, prenez exemple sur ce commentaire. Franchement, ça me fait super plaisir. Voilà, quelqu'un, un bon joueur, intelligent et que j'aime bien. Bah écoute, merci Juco de ta présence et ton commentaire. Il est honorable, très honorable.
Et si tout le monde serait comme ça, ce serait franchement top, top, top. Merci de ton commentaire. Et de... franchement, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau par contre. C'est beau, Juko. Bon, Milky Way, quand tu veux, là. Bon, allez, Milky Way. Il est où, Milky Way? Milky Way. Milky Way. Yo, comment? Dites-moi. Bah, alors, qu'est-ce que tu veux me dire en privé? Tu veux comment me... ça, comment ça, tu veux m'épouser? Bah, ça va bien se passer, pourquoi? A voir s'il si va y avoir un lead. Si... Bah, le lead... T'es toujours... Bah, t'es toujours en test. Moi, je reste pas, hein. Oui, c'est pour ça. Ah non, mais moi, c'est... Moi, d'entrée de jeu... Moi, quand j'aurais estimé... Parce que moi, j'ai pas une décision aussi rapide que certains. Moi, j'attends encore de voir cette semaine. Comment ça se passe. Je vous laisse faire. Je vous laisse... Toi, comme cette semaine, je vais vous laisser faire, en fait. Je vais... Et voilà. Et je vous dirai ça. Je vais en débrief avec le général. Et après, préparez-vous à... avoir mon départ dans Viper. Et il faudra sélectionner un sous-lead. Mmh. Est-ce que pour l'instant, tu as des choses à redire? Oui. Notamment sur moi. Oui, mais ça, je te le dirai. Ça. Je te le dirai. Oui, bien sûr, j'ai des choses à dire. Sur tout le monde. Et même bon, sur moi. Ça. Même sur moi. Mais... ouais, il y a des choses... voilà, il y a des choses. Mais je vais les dire en tête à tête parce que ça ne regarde personne. Chaque cas est différent. Et... chaque cas se traite différemment. Bon, allez, Walou. Bah, si tu veux, si j'ai le temps. Je suis débordé, j'ai toujours quelque chose à faire. C'est ça d'être. Accuté. Ouais, on s'est compris. Vas-y, touche-moi les biceps. Allez, vas-y, touche-moi les pecs. Vas-y. Ah, c'est... Ouais, mais c'est moins solide qu'un jour. C'est vrai. Et c'est là, tu vas voir. Hop là, next. Alors, on va arrêter. C'est costaud, c'est très très dur. C'est très dur, hein, vous avez vu? Alors, c'est qui veut dire que c'est pas aussi costaud que les autres. Allez, qui ose? T'oses dire quelque chose, toi, Maxime? Moi, chef. Pourquoi vous avez dit ça, moi, chef? Bah, c'est le lieutenant. Prenez pas exemple sous lieutenant, c'est pas une référence, les gars. Bon, non, c'est pas tout ça. On a rigolé. Ah bah, c'est tant mieux, parce qu'il est viré. Malgré qu'il se fout de ma gueule, il est gentil. Ouais. Ouais. Arrêtez de le menoter, les gars. Putain, c'est votre lieutenant. Mon lieutenant, voyons. Arrêtez de subir les agressions physiques et verbales de vos subalternes. Voilà. Faites-vous respecter un peu. Reçu, mon commandant préféré. Bon, allez, on se casse. C'est à qui cette merde là? On part avec le véhicule. C'est à qui cette merde? C'est à moi, je le range, je l'ai parti, s'en va. C'est quoi? C'est à qui cette merde là? C'est rien, c'est en jeu. Personne n'a rien vu. Il ne s'est jamais rien eu. Il n'y a rien eu. T'auras la maison. Bravo les gars. Félicitations. Oh. On les a déglingués après. Oui. C'est con toi. Attention. Ah merde. Putain, vous voyez, c'est la merde ce truc. Non, c'était la dernière. Okay. Restez avec. Et voilà, maintenant c'est en bas. Et après c'est en haut. Là. Qui veut encore me voir? Moi je pense que je suis mort par les tirs. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je crois qu'il y a un mec derrière moi. Ouais, alors celui-là on l'a jamais retrouvé alors. Je suis pas sûr en fait, je sais pas si on tirait sur la batteuse de loin ou de près. Bien s'il vous plaît. Ouais. Il m'a dit qu'il y a un slider qui a essayé de retourner le mien sans mon autorisation, du coup mon slider s'est envolé sur ma gueule. Tu fais un go. Ah, affirmatif. C'est ça? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ma défense. Mais du coup, je t'aime toujours, Hugo. Vas-y, je te laisse. Comment ça s'appelle? On devait rentrer le Strider Doc dans la banque. Il y avait un Strider qui gênait, du coup, je l'ai décalé. Et Douglas, il m'a dit, vas-y, rends mon Strider. Du coup, je suis descendu, je lui ai dit, ouais, il était au milieu. Et puis, ma tatane a pointé sur le plan de l'opération, donc... ce serait... Enfin, faudrait éviter qu'il recommence. Ouais. D'accord. T'as où? Dans la banque? Devant la banque. J'étais totalement à découvert. Elle était...
Elle était sécurisée la banque? En fait, on savait pas s'il y avait encore des packs ou non. On était en train de vérifier les bâtiments. D'accord, ok. Oh bah c'est bien, je vais régler le problème. Alors, t'es viré. T'es où? T'es viré. Douglas, le vire pas, mais juste qu'il fasse attention. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Vous m'avez dit que j'étais viré, du coup, je m'en allais. Ah oui, d'accord. Ah, c'est lui. Ouais. Pas viré Douglas, mais non, enfin, j'ai fait attention. Oui, je vais lui dire, t'inquiète. T'inquiète, pas de soucis. Je dirais, oh, avec ce Octavia. Hop là. Ah non, c'est parce que j'ai que des charges sur moi. Préféré. Ah, comme vous êtes beau, mon commandant. Ça va, ça te plaît? D'avoir, je sens. D'avoir, je sens. Moi-même? Ouais, toi. Normal. Avec 7 chargeurs à chaque. Douglas? Oui, mon commandant. On m'a dit un truc, d'avoir. Oui, mon commandant. Tu vois cet océan? Oui, mon rempli de poissons. C'est joli, oui, hein. Oui, mon commandant. Tu vois, c'est un d'ordure, ça fait dégueulasse. Oui, mon commandant. Eh bien, sur le théâtre d'opération, c'est pareil, en fait. Quand t'as une recrue qui fait quelque chose et que tu la tatanes sur le champ de bataille alors que la zone n'est pas clear, la recrue peut mourir. Mais si elle meurt, elle aurait pu très bien te sauver la vie un jour. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends, mon commandant. T'as compris que t'as fait une boulette, là? Je viens de comprendre, mon commandant. Voilà. Donc, tu vois, tu fais comme cet océan, t'essayes de vivre en communauté, et quand c'est sécurisé... Bah, tu peux rigoler quoi. Mais autrement. C'était sécurisé, mon commandant. C'était sur la fin. Voilà, mais je te le dis. Oui, ouais, je comprends. On me l'a dit, voilà. Ouais, ouais. Okay. Maintenant, je te fais la réflexion. Comme j'ai dit, moi j'ai qu'une parole. Quand j'ai un problème, je le dis tout de suite. J'attends pas 10 ans quoi. Ok ? Voilà. Voilà, mon petit Douglas. Bon, allez, cassez-vous. Merci, mon commandant. Mode de ta fiole. Ta gueule, toi. Ça me ferait trop plaisir de te tuer. Ah, moi aussi. Je ferai un. Bon, allez, on a bien joué les parachutistes, encore une fois. Avant, ouais. Après, je pense qu'on s'y attend, du coup, cette fois. Ouais, je mec, pense que. À l'escalier. Ouais. Non, il a été surpris, hein. Ouais, il a été surpris. Ah, ouais, ouais, c'est que le premier dans la maison, là. Ouais, ouais. Ah, il s'y attendait pas. Et attends, Snip. Je me demande comment t'as réussi à te relever, sachant que j'ai vu qu'il y avait un homme 320. Ici, hein. Bah, en fait. Attends, mais en fait, attends. En fait, je sais pas. Qu'il est tiré en même temps. J'ai pas entendu de chute de toute façon. Ouais, c'est pour ça. Je pense que c'est peut-être. T'as peut-être glissé. Mais j'ai peut-être glissé, ouais. Bah, je sais pas, moi en tout cas, je l'ai défoncé. Moi, je l'ai défoncé. Mais c'est quoi ce bouclier? Bah, c'est moi qui l'ai défoncé. Le bouclier, ouais, il est bien celui-là. Ouais, non. Il est bien, il pèse 15 kilos, gros. Ah, mais il est bien. Le mien, il est pourri. Si, ça va, ouais. Ah, le mien est plus pourri. Visé tes pistolets aussi. Mais c'est lequel le tien? Le mien? C'est lequel le tien? Celui avec la mitraillette. Hein? Celui avec la mitraillette. Ah, sur la faut que je regarde. Je l'ai pas encore vu celui-là. Bien. Oh la vache, vous êtes fou. Celui-là avec ça. Ah ouais, il est bien celui-là. Léo d'Orbélique. En fait, il est bien, oui et non, parce que franchement, en fait, quand on. En fait, il tire tellement vite. Ouais. Que. Faut pas vraiment s'en servir finalement comme une traite ou comme une Sparcese en mode peut-être tu refais un peu la zone et tu te dis c'est bon, ça va passer. Ouais. Parce qu'en fait, en deux secondes, en fait, il est vide. En fait, limite, je préfère celui avec le pistolet. Parce qu'au moins d'accord. Il couche en une balle ou deux et. Ouais. Celui-là, la dernière fois, je mets 3-4 balles sur un pack, ça était toujours debout quoi. Bah, c'est peut-être parce que c'est pas visé, hein. Là. Il met pas beaucoup de bouclier, il pèse 10 kilos, ça va être un peu lourd quoi. Mon commandant. Ouais. J'ai même pas de M300. La M5, c'est mauvais pour une patrouille ou pas? On a le droit de la sortir? Une M5? La BMW M5. Mec, tu veux faire quoi une MW M5? BMW M5, est-ce que j'ai le droit de patrouiller avec? Ça rentre dans vos quotas de véhicules? Ah, ouais. Ouais, vas-y. Regarde la note de service du lieutenant, les gars. Ouais, mais il écrit tout ce qu'il y a au final, c'est tout ce qu'il y a 4 places, en gros. Ok. Ok. Bah, allez, on se casse, bande de tafiel. Oh! Vous êtes des tafiel. Du coup, on est pas de dispatch. Vous êtes des grosses tafiel. Bah, dans dispatch, on est des Piper. Personnel, faut que tu changes de vêtements du coup. Non, ça veut dire que j'ai gagné la banque. Ta gueule! Je kiffe, Cabino. Moi aussi, je me kiffe. Toi aussi, tu me kiffes? Bah, ça, c'est automatique. Comme les antibiotiques. Oh! Quand je te pose une question, tu réponds. Ça le fait rigoler. J'ai un civil qui demande à monsieur Canimo. Canimo?
Il est dans le caniveau là. Eh, kimono, viens voir. Monsieur caniveau. C'est vrai, dans ce cabine, non? Si, si, affirmatif, il est dans le cabine. Il est dans le cabine, non? Non, mais je sais qui c'est, mais. La Camorra pour les enfants. Bah, j'arrive, Oh, c'est qui insulte Kanamo là? Vous aidez, monsieur? On a besoin d'un Kalimo ici, messieurs, un Kalimo. Ah, mais pas Kabino! Excusez-moi. Je suis en train de se foutre de la gueule de monsieur Kanamo. T'es trompé en donnant son nom. Pardon, je peux pas passer? Morane. Et après, voilà. Morane. Non, rien. C'est qui le monsieur qui va se faire? C'est moi. Merci Taco TV, merci beaucoup. Merci à tous, merci à tous, merci à tous. Merci à toi. Mais si, je te dis. Mais si. Putain, viens prendre ta tatane, toi. Putain. Bon, Alpha, on est prêt. On dit merci qui? Tu vas Boubou? On dit merci qui? Sur ce. Les gars, rien que moi. Fous de ma gueule, toi, Ramsey ou quoi? Ramsey, on dit merci qui? Merci DB. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Tous les commandes sont au Niomi. Et ça, encore une. Allez, voilà. Bon. Merci. De rien, hein. Faut que je rachète. Alors. Si je te vois pas saluer un général, Ramsey, je te défonce, t'as compris? Mon commandant, est-ce qu'on va faire un tour? Ça manque une entrave. Voilà. Mon commandant. Oui. On va aller. Pour Alpha, on est déjà dehors. Hein? On va aller patrouiller. Charlie, on se prépare et on arrive. Bien pris, Charlie. On va regarder ça, du coup. On va passer sur le stuff habituel. Bah y'a pas de problème, vas-y, moi j'ai quoi. Ah merde, je t'ai oublié mon petit Taku. Merci mon petit Taku de ton follow. Tu peux aussi nous rejoindre sur Discord pour avoir les notifications de mes lives et des vidéos que j'ai postées sur YouTube. Et YouTube du coup pour voir les lives. Voilà mon ami, bienvenue à toi. De quoi? Je suis pas avec vous mon commandant, moi je suis comment? Mais je t'emmerde. T'es pas content que je monte avec toi? Ah si, si, moi je suis heureux. Bon, bah je reste avec toi. Commandant, il va là où il va. C'est ça. Non, mais fais ton truc. Et après, mon commandant, je vais vous mettre en alpha. La famille, ça. Bien sûr. Ah oui, vous aimez bien. Ouais, c'est vrai. C'est Alpha qui est toujours au contact. Et après, tu m'as dit que c'était qui l'autre? Moi. Ouais. Et toi, tu vas aller avec Viper, avec Bravo. Ok, je te laisse faire ton point. Vas-y. Putain de. On dépend des. Bah tout le monde sort, est-ce que j'ai... Ah je peux pas faire le lead Octavia, moi je vais... Faites quoi devant la bécane? Une fois que tout le monde est prêt, on monte dans les véhicules et en avant en gagnant. En avant en gagnant, hein. Oh les problèmes de fond vert, hein. Je suis là. Yes, c'est pas... Bon les striders... Ouais. C'est bien passé pour vous? Pour deux secondes, je termine juste de m'équiper là. Salut. T'as une voiture, je suis avec qui du coup moi? Vous êtes avec Alpha, vous êtes avec Albert Renaud et Yves. Ah merde. Ah, je vais changer. Vous préférez qui? Ah si, c'est bon. Ivar. On a la recrue. Ivar. Ah merde. Ivar. Il est où, Ivar? Afi. Vous êtes où? Ah bah attends. Mais on est dehors la BA, on est déjà sorti, prêt, on mesure deux. En un mot, vous êtes en train de dire que je suis en retard. Négatif mon commandant. Négatif parce que moi je suis encore plus en retard que vous, commandant. Je suis juste en train de sécuriser la zone pour que mon commandant préféré puisse sortir. Attends, un niveau de lèche ici, c'est tellement. Ah, mon commandant, vous faites partie de notre voyage? Exactement. Nous allons chier jusqu'à mort sans suivre. Nous allons chier. On va faire un petit tour Cavala. Et qui dans cette bagnole? Albertino son. Albertino! Mon de Dieu. Il revient. Il referme ses yeux un petit peu, il est fatigué et du coup je laisse se reposer. Bon. Ivar, t'es doué dans la poésie? Dans la poésie? Ouais. Ah, ça peut le faire, ça dépend. Dis-moi tout.
Eh bah tu sais quoi? Oui. Tu vas me... est-ce que t'as une véhicule qui est prêt ou pas? Tu vas me réciter un poème. Négatif, ça m'a un jeu. Allez, je t'en sors, je sors la Tesla, donc Charlie, vous montez dans la Tesla avec moi. Parti. Non, t'as 2 minutes. Non, je vais couler un peu. Pour le préparer dans 2 minutes. Top chrono, top chrono. 1 minute 59, 1 minute 58, 1 minute 57, 1 minute 56, 1 minute 55, 1 minute 54, 1 minute 53. Je reviens mes loulous, je reviens tout de suite. L'homme fort appréhende peu, il est prêt. Quand on ne veut pas pour soi-même, on est bien fort. Citation de Henri Frédéric Amiel. Voilà. Une poésie. Donc Charlie, je suis dehors avec la Tesla. J'arrive. Prends une trousse au dehors, s'il te plaît. Ouais, je vais. Donc pour tous les alphas, une fois qu'on est prêt, on se met dehors et on ira direction la Diamond Company, puis Negades. Si tout est calme, on ira à Tira. Terminé. Ok, est-ce que t'as beaucoup de chargeurs de M200, de M50? Ouais, j'en ai 5 dans ma voiture. Ouais, mais je te dis, ça j'en prends 3 sur moi, ça fera l'affaire. Ouais, large. J'en ai 4 sur moi, ça. Pareil. Du coup, dès qu'on est prêt, on y va. Je vais pas redonner les ordres, les gars. Initiative. Bah, je suis prêt. Mon foyer va se péter la gueule! Eh ben non! Oh putain, mais quelle merde ce truc, les gars, je vous jure! Oh, une grosse merde ce truc là! Moi, oh, je fasse quelque chose! Alpha, on commence à se diriger doucement pour que vous puissiez le temps de faire vos dispatchs. Hein? J'ai plus cette merde là! Je sais pas ce qu'il a eu là! J'ai tout changé, j'aurais pas dû en fait! Ah, oh, faut que je fasse quelque chose, les gars. On va passer la soirée à faire ça, hein? Merde. Bon! Je suis de retour. Portman. Portman. Bravo, vous êtes prêts ou pas? On va te parler, mon commandant. Merci. Merci, je suis prêt. Ouais, je suis. Bon, nous, c'est Alpha. Ouais. On parle solo, ben non, je vous parle à vous, bandit. On est vraiment nul, les gars. Ça va pas tous mes mots préenregistrés dans mon tel. Ouais, je t'écoute. Je t'écoute. Ivar. Oui. Les 2 minutes sont passées. Je vous l'ai dit, mon poème, mais vous m'aviez pas écouté. Je t'ai dit que je reviens dans 2 minutes. Ah, j'avais pas entendu. Oh là 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 là, t'y viré. Ah, reçu, mon commandant préféré. C'est pour ma performance d'hier que vous faites ça. Exact. Non, tu finis la patrouille, tu prends tes affaires et tu te casses. Bah, reçu, mon commandant. T'es comme le H de Hawaï, tu sers à rien. Ouais, on n'est pas loin de ça. C'est nul. Sinon, j'arrive à te chercher, j'ai oublié. On va retourner jusqu'à la BK comme ça. Bah oui, mais je sais. Ah, peut-être je me fais engueuler. Sinon, je suis devant dans la Tesla. Je me fais engueuler, Ivar. Bravo, vous êtes où? Pourquoi mon commandant préféré, dites-moi tout. Parce que tu as cité ton poème, j'ai tout parti. Là, ça me dit pas où, les gars. À côté du Porsche Cayman, devant la porte de la BK. Voilà, devant la porte de la BK, j'ai bouffé de la brioche pendant que tu parles à la radio. C'est magnifique. Ah, en avant, Raoul. Go. Allez, pour Bravo, Charlie et Doc, on rejoint Alpha et on se dirige sur la DC. On va prendre contact avec la DC. Terminé.
Et quand vous suivez comme radio, vous faites quelque chose de clair. Bravo. Alpha. Quoi? Bonjour mon commandant préféré. Ta gueule, connard. D'accord. Attention à des gros soucis, Dylan. Alpha. Toujours ton commandant préféré? Comment? Je suis toujours ton commandant préféré. Bien sûr. Je ne sais pas pourquoi vous posez la question, ça coule de source. Bah oui. Mais c'est vrai que le juge n'a pas fait de poème en votre honneur, mon commandant. Oh, moi aussi. Moi aussi, je suis plein. Alors, vous avez l'air de quoi? C'était pas pour l'été de Syrah, donc du coup, c'est sur l'air de Syrah. Oh, puis merde. Vous savez quoi? Hop. Bon bah désolé les gars, plus de webcam. Voilà. Alors, ça tient pas. C'est de la merde. Autour des dés, comme on doit de l'aider. Tu passes ton temps à faire le plein alors que la taupe ne fait pas rien. Mais je te rassure en te disant que quoi qu'il advienne et au gré du vent, Syrah, l'élite est là pour toi comme pour Nick de taper sur tous ces rebelles qui ne cessent de faire des siennes. Mais en ce jour de bonne grâce, je vous demande sans faire de farce, que va-t-il à venir sur notre mobile si notre commandant préféré ne cesse de nous guider? Mais je vois aujourd'hui votre demande sur cette cérémonie. Sera. Continuera-t-il le procès? Attends, ta gueule. Mais monsieur, là, vous me faites quoi, là? Oui, mon commandant. Eh! Vous êtes là? Mais j'ai fait un petit écart sur la gauche, mon dieu. Un petit écart sur la gauche? Non, mais c'est plus un écart que vous m'avez fait. Valentino Rossi, là, t'as cru que t'étais sur ta piste de circuit ou quoi, là? Ah non, mais je fais pas de circuit, moi. J'ai pas de circuit, moi. La prochaine fois, je vous emmène au trou. La prochaine fois, je serai mort, surtout, mais. Non, la prochaine fois, je vous emmène au trou, moi. Ah, mais si je suis mort, ça risque d'être compliqué après. Voilà, vous avez perdu votre moto, elle est emmenée en fourrière, c'est tout ce que vous avez gagné. Vous rentrez à pied jusqu'à Kavala. De toute façon, vous avez retrait de permis. Quoi? Vous allez me donner votre carte d'identité là, je vais vous faire le retrait du permis immédiat. Ah bon, pourquoi? Ah oui, carrément. Ah ouais, carrément. Non, je rigole, c'est une blague. Mais un égard sur la zone. C'est une blague. Non, faites attention. Parce que là, vous avez failli mourir. J'aurais pu y perdre la vie, heureusement, j'ai réussi à. Salut Monster Zen, bienvenue! Bonsoir Bell Block, bonsoir Spring, bonsoir Monster. Comment tu vas? De reprendre la route et qu'on ne vous recroise plus. Qu'on ne vous recroise plus, je vous garantis pas. Du moins vivant. J'ai pas trouvé ça drôle. Ouais, mais c'est très con, Alpha Bravo Charlie en fait. Déjà à la base. Pas du tout. Écoutez, je vais vous laisser remonter sur la moto quand mon. Mon illustre chef sera descendu de ceci. Ah. Et où l'a volé? Tant pis. Là, je peux plus rien faire pour vous. Pardon, vous faites une menace à mon chef là? Ah non, c'était de l'humour. Tiens, fiston! T'as. Oui, t'as la moto. Il vous mettre une droite pour récupérer sa moto. Vas-y, essaye pour voir. Essaye pour voir. Je vous assure, elle mente. Allez, viens là, viens prendre ta moto. Allez, va chercher ta moto. Faites tard, mon dieu. Alors, t'as le droit de prendre ta moto à une seule condition. Et récite-moi un poème. Oh, je suis désolé, je reconnais. Pour... Ah bah, chante-moi une chanson. Alors, je vais te vite mon beauf, monsieur. Hein? Vas-y, on s'en fout. Là, vous me faites pitié, monsieur. Désolé, je me rabaisserai pas à ça. Je sais que j'ai fait une grosse connerie. Je sais que ça a fait mon petit permis, comme a dit votre collègue. Mais... Ok, retire-lui son permis. Hein. Allez, je lui retire son permis. Et moi, je garde la moto. Vous savez que vous avez plus le droit de rouler. Du coup, la moto va être mise en fourrière. Vous devrez payer ensuite 155 000 euros d'amende pour le fait d'avoir tapé dans un véhicule à nous. Donc, c'est la chance de l'amende. Tu menaces? Il menace. Oh, encore un motard par terre. Appelez la sécurité civile. Oui. Petite éducation, je crois. Appelez la sécurité civile. Appelez la sécurité civile. Ouais, je sais, c'est normal. Possible d'appeler la sécurité civile, Doc, possible de venir sur Alpha. Hein?
Je crois que le commandant a trop bien réglé ses rétros et du coup on n'a pas vu personnel. Tiens, je lui enlève sa GoPro vite fait là, tac, bim, bam, bam, bam. Ouais, c'est bon, j'ai récupéré sa GoPro. Attendez, je l'écrase, bougez pas, ouais, mettez-le au sol. Putain, la moto lui est tombée dessus. Tac, une GoPro. Les gars, arrêtez, non. On est vite bougé. Ça va, il est dedans. On marque la moto. C'est vraiment un kéké. Alpha, c'est bon, tu prends la moto? Ouais, j'y arrive en fait. De toi, pour l'île. Sur écoute. Pas fait exprès. Voilà. Bah, comme j'ai dit, TC. Ok, donc j'appelle la sécurité de suite. Alpha, on prend position. Bah, le c'est toi qui vois, c'est toi qui est, c'est toi le futur lead Mike, hein, donc c'est toi qui vois, mais c'est vrai que Alpha Bravo Charlie c'est. C'est basique quoi. C'est casse-couille même. Ouais, bah je suis désolé les gars, mais j'ai mon fond vert qui déconne depuis ce soir. Et regardez, hop, voilà, vous voyez, il se barre de partout là. Si là, ça se barre de partout, ça tient pas, c'est chiant. Donc voilà. Plus de fond vert, plus de webcam. Plus de lapin, plus rien. Là, je peux pas, c'est chiant en fait. C'est casse-couille. Je suis désolé, mais ce soir, il y aura pas de webcam. Hein? Ah oui, je peux pas le garder. Donc pour les unités Viper, une fois qu'on aura déposé le civil à la sécu, à la DC, on partira sur la LC. Où est-ce que c'est reçu? Le petit lapin vient de taper dans le fond vert qui vient de se casser la gueule. Je confirme, il est mort. La prochaine fois que tu montes sur une moto, tu penseras à mettre ton casque? À moins que tu n'aies pas ta tenue vestimentaire et que tu n'as pas de casque. Oh, c'est encore plus grave. Alors déjà, de 1, c'est tout dans ma voiture, donc voilà. C'est bien. Vraiment? Pas grave, si on voit pas ta tête, mais dommage, on verra plus le lapin. Ah ouais, d'accord. Ah bah tiens, regarde, hop, le lapin il est là. Démarre-toi. Il y a des gens qui veulent se battre. Je sais pas, j'ai entendu des mecs qui disent viens, on va se castagne derrière. Ouais, vas-y, viens, on se castagne. Qui veut se castagne là? Qui veut se castagne? Qui veut se castagne? Je sais pas qui c'est, c'est des mecs. Qui veut se castagne? C'est toi qui veux te castagne là? Tu veux te castagne toi? Non, c'est pas moi. C'est toi qui veux te castagne? C'est toi qui veux te castagne? Tu veux te castagne toi? Tu veux te castagne toi? Tu veux te battre? Qui veut se battre? Toi qui veux te battre? C'est ça? Comment? C'est toi qui veux te battre ici là? Ah, pas du tout, non, moi j'attends juste mon casque. Ah, c'est bizarre, Piper. Vous êtes tous des couilles. Vous êtes tous des molos. Qui c'est qui veut se battre? Attendez. C'est toi qui veux te battre? Non, justement, c'est moi qui signalais qu'il y a un mec qui voulait se battre. Ah, c'est vrai. Ah, salut, Loan. Ça va? Ça va. Ça vous entend? T'as vu comme je suis le dur? Vous avez tous peur maintenant. Bon, ben. Je te rappelle s'il y a un. T'es sûr que tu veux te marier? Parce que dans la police, on a plein de mecs comme moi dans la police. Mais j'en soin, je suis pas muscule. Moi, je dis ça. Moi, je dis rien. Tu vois ce que je veux dire? Réfléchis, c'est dans bientôt. Réfléchis. Attention. Je peux t'en proposer plein. Regarde, ah bah tiens, regarde, je te présente Ivar. Regarde, monte tes muscles un peu, Ivar. Monte tes pecs. Non, mais montrer tes pecs, c'est comme ça en fait. Voilà, monte tes pecs. Voilà, moi j'en ai. Ah oh, touche pas comme ça, toi. Et qu'est-ce que tu fais, toi? Tu fais quoi, toi? T'es en train de manger un malabar à côté de ma bagnole là et tu es en train de le coller sur la portière ou quoi? Non, moi je regarde. Ouais, bah regarde quoi? Moi aussi je regarde. Je regarde les jantes. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que M320, c'est volé. C'est qui lui? C'est un mec de la sécurité lui? Non, c'est un mec qu'on connaît pas. Un mec qu'on connaît pas. Vous allez vous mettre au mur là tout de suite. Moi? Tout de suite. Madame Loan, mais oui. Vous venez de vous mettre contre notre véhicule, vous avez fouillé dedans. Vous allez mettre les mains sur la tête. Justement. Déjà, je vous dis rien pour votre bandana, monsieur. Alors, mettez les mains sur la tête. Faites une candidature sur le satellite. Vous allez sur le TeamSpeak satellite. Et puis, vous allez voir. On a un doute sur un vol. Plein de trucs. On sait jamais.
Ok, ok. Ne vous inquiétez pas, c'est juste un contrat. C'est possible de travailler ou pas? Pour tous ceux qui veulent travailler, allez là-bas. Sur le civil. Hop, ne bougez pas, c'est tout à fait normal. T'inquiète pas, c'est un retournez-vous un peu, je puisse vous... Voilà, c'est bon, ne bougez plus. Tous ceux qui ont été payés ou qui attendent leur camion, allez vers là-bas. Je peux savoir ce que tu fais avec ton visage masqué? Hein? Mon commandant préféré? Ouais. Mon commandant préféré? Oui? J'ai un personnel armé lourdement, HK-XM8, plusieurs chargeurs, équipement illégal. Agent de sécurité, c'est normal. Ah bah t'interpelles? C'est un agent de sécurité. Ok, bien pris. Bah demande lui, mais c'est sûr. Avec cette arme et cet équipement, ça me paraît. Négatif. Vous êtes un agent de sécurité? Néga quoi? Il est pas agent de sécurité, c'est parti les gars. Ok. Ah, attends, je regarde vite fait. Regarde, hein, c'est vraiment parce que c'est toi. Hein. On embarque le personnel. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est reçu, tu roules direction BA. Viens, viens, j'entends pas. Viens, viens, viens. Du coup, de Doc, le civil commun, il est relevé. C'est quoi que tu veux? Reçu, super. Bah Doc, on va commencer à partir avec vous, avec Charlie, comme ça on prend de l'avance. Putain, mais tu travailles pas dans le jeu. Mais c'est qui dit ça? Oui, moi j'aime. Alpha, bravo, vous restez bien ensemble. Et une fois que vous avez fini à la DC, voilà, vous repartez direction BR avec le PAX. Alpha, on va reprendre la route. Dans ces cas-là, on repart tous ensemble. Alpha, on est prêt. Bravo, êtes-vous prêts? Affirmatif. Pauvre chaton. Ah merde, t'aurais été le seul. Hein? Non, bah voilà. Ouais. Ah, bah là, je me suis habitué à faire. Hugo! Afi. Tu me laisses lui mettre la bande. Non mais en fait t'es pas censé le fouiller s'il a rien fait. Bah si, il a voulu fouiller dans notre véhicule. Ah bon bah s'il a voulu fouiller dans le véhicule. Donc voilà, il s'est mis à côté, il a commencé à regarder dedans, on a dû verrouiller parce que c'est la dame de l'agence qui nous a prévenu. Monsieur le Pax, il est dans Alpha ou Bravo là? Dans Doc. Bravo. Ah Doc, tu reprends. Ah, ok. Le bordel là. Non. Si c'est le bordel. Non non, on a arrêté un Pax lourdement armé. C'est bien. Bon, ça fait un moment que je sais qu'il est armé. Hein. Ouais, mais personnellement, je n'avais aucune preuve sur lui, du coup, le fait qu'il ait fouillé dans notre véhicule arrange bien les choses. Ah. Exactement. Ça fait longtemps que je savais qu'il est armé. C'est ma spécialité de fouiner discrètement. Ah, discrètement, genre, hop, fouiller dans les affaires. Hop. Ah, dis donc, qu'est-ce que t'as, toi? Il y en a même un qui avait un désert gueule. Je ne suis responsable d'aucune... Ah, bah, moi non plus. Ah, 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 bah, allô? Il y a quelqu'un? Quoi? Allô? Je suis passé sous un pont. Allô? Vinny? Allô? Ouais, moi j'entends rien, je produis. Ah, attendez, je crois que j'ai perdu le réseau. Ah, bah là, t'as perdu la route, là. Ah, c'est pas moi qui conduis. Ah, c'est Vinny qui conduit. Je tiens à informer que l'adjudant fait de l'off-road. Du coup, mon adjudant, je serai obligé de vous sanctionner. Tiens à t'informer que t'as rien à me dire sur ma conduite. Tiens à t'informer que c'est la technique spéciale 2 depuis Sierra. Tiens à t'informer que t'as essayé de la salive pour rien. Voilà. Merci mon adjudant de votre discours et fortement instructif. Instructif, très instructif. Là c'est instructif. Je t'aime quand même, Iva. Oui, mais moi aussi mon adjudant, ça va très bien. Même je t'aime bien. A priori, le commandant veut me mettre à la rue quoi. Oui, tout à fait. Parce que moi je discute pas, hein. S'il veut te mettre à la rue, c'est qu'il y a des raisons, c'est le commandant. Donc... Règle numéro 1, le commandant a toujours raison. Règle numéro 2, si le commandant a tort, se référer à la règle numéro 1. Parfait. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est bien les gars, c'est bien, vous avez bien appris. Je tiens à préciser quand même que j'ai appuyé lourdement le commandant lors de la chute d'un L4. C'est ça. Qu'il avait lui-même shooté. Exactement. Je tiens à préciser. Ah, j'étais en forme ce jour-là. J'ai vu ça, mon commandant, j'ai vu ça. Hein. J'ai vu L4 tomber avec une demi-balle. C'était magnifique. C'était beau. C'était magnifique. Hein. Ouais, je crois que... Je crois que même CPA s'en est pas remis encore. Non, c'est normal. C'est pour ça qu'ils veulent, ils veulent absolument que je vienne chez eux en fait. Sachant que même Sierra m'en a parlé encore. Pour les Vipers, quelle unité a le Pax? Doc. Ok, Doc, tu vas tranquillement à la BA. Une fois que t'as fini, tu nous appelles. Nous, pour les autres unités, on va sur le bijoutier. On s'occupe de le verbaliser. Affirmatif, tu t'occupes de tout. C'est reçu.
de tout. On est pas au là, donc c'est pour avoir des soucis. Tu viendras. Vous avez des choses qui ne plaisent pas forcément à tout le monde. Donc pour toutes les autres unités, direction bijoutier, passage canal 1, et je vous rappelle d'avoir votre canal 2 en la paye. La paye est pas bien. Je suis sorti pour tous. De deux, on va se mettre canal 1 si j'ai un coup. La paye, elle arrive là. Elle va pas arriver la paye, pourquoi? Alpha. C'est quand la paye, généralement? Bah en vrai, je sais pas, j'ai jamais eu. La paye, c'est pas le samedi ou le dimanche? Heureusement, parce qu'il se sera fait. Alpha suivi. Mike de DD? Je t'écoute. La paye, c'est le dimanche, généralement, non? Oui, normalement, oui. Ok, d'accord. On s'arrête là. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. J'ai bien entendu, non. D'accord. Ok, j'étais pas sûr. Je vais pas me coller à leur cul parce qu'il y a deux convois qui arrivent, donc ça va être chiant. T'as Paul. Donc je te disais que. Ok. Je te disais que. Ah, d'accord. Allez, on va se mettre en appui sur le capot et c'est parti. Bah c'est pas grave, je me suis habitué à perdre en moi. Ah, t'es quand même pas mal actif là. Alors que je me suis fait méta et je prends un Verto 2. De quoi? Oh, il est encore avec son histoire de téléphone. Omega, faut que t'arrêtes les téléphones. Hein. C'est amusant de tacler Springfellow. Ouais, tu m'étonnes. C'est rigolo. Bande de crevards. Ah là, si on ne veut pas ta tête, j'en ai plus. Je vous emmène, bande de crevards, vous êtes des crevards. Comme dirait un certain youtubeur, merci à tous les fils de pute qui se sont abonnés. C'était rigolo ça. J'ai bien aimé sa petite phrase. J'ai beaucoup aimé. Je trouve ça drôle. Le mec, il a quand même 1 500 000 abonnés, je crois. Et le mec, il fait une vidéo. Elle dure 10 secondes. Merci à tous les fils de pute de s'avoir été abonnés. Ok, c'est quoi ça? Info? De quoi tu parles? Il y a eu des tirs, là, non? Putain, sur le canal, Dédé. Ah, tiens, vas-y, c'est moi. Putain, mais annoncez radio, les gars. Putain, j'allais dégommer tout le monde, là. Les unités qui sont avec Dédé, ils se passent quoi? Pour tous, il y a un L4 qui tend autour de nous là au bijoutier, un peu haut, très haut, vers la principale, côté LC. Le Cobra, il arrive. Un fait, j'en sors. On vient vous prêter assistance. Pas celui qui est dans le médico, là, j'en ai un convoi LCO sur votre position qui va arriver en même temps que DC, donc on court. Hein. Ah, je... Vu qu'on peut pas aller à l'est à cause d'un gunfight en cours, on va essayer. Cobra, c'est bien, je vous invite à sécuriser la zone avec nous. Ils auraient pu plus choc. Ouais. Par contre, les unités qui sont sur le canal 1 là, autre que Viper, si vous avez des choses à dire importantes au niveau tactique, c'est sur canal 1. Par contre, si c'est des trucs contre vous qui concernent votre escouade, essayez de vous mettre déjà, sur votre canal. Quand est-ce que c'est pour les payes du coup? Dimanche. Quoi? Dimanche. Pour éviter qu'on parle trop pour pas grand chose. Des trucs, monte dans mon véhicule sur le canal 1, on n'a pas à l'entendre quoi. Si arrive pour tous, l'hélicoptère est toujours en stat au-dessus. Hein. Ah si, je suis en train de le chauffer. La reçu, c'est quoi du coup? Tenue sable. Bien pris. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit. Non mais c'est le mec, il me fricule et j'ai fait partir le convoi de la LCO. Ouais, c'est bien pris. Du coup une unité qui enfin une unité qui extrait l'argent avec la DC et les autres vont rester en position, je pense que c'est ce qu'il y a de plus intelligent à faire. C'est bien pris mais c'est pas Vike qui s'occupe de l'extraction vu qu'on est en position et on tient les... C'est reçu de comment ça.
Merci Gambino. Donc du coup les vacances vont s'arrêter sur une, vous restez sur vos positions et vous tenez jusqu'à la formation. Il y a un quart d'heure quand vous étiez tous à Cavala, il y avait 3 hélicos Rampage qui tournaient autour de la BA avec multivéhicule. C'est bien pris. Ensuite quoi? Bien pris. Alpha. De Dragouin, j'ai le convoi, il se en approche, environ 5 camions. C'est bien pris, Tirly. Je rectifie 4 dragons. 4. Je vais peut-être pas rester là alors. Tu veux vraiment savoir combien ils sont? Il y a un Limburg aussi au-dessus du L4. Hein. Ouais, je confirme, je l'ai en visuel dragon. Alpha. Oh, il m'a fait flipper le commandant, putain, il doit se faire la détente. Ouais. Toi que c'est pour nous? Ouais, fille, fille mon commandant, c'est bien. Alors, bon, j'ai un petit film comme ils ont 7 camions. Oulala. Encore pour nous? On s'en sortira donc jamais. Oh my god! On a indiqué cette peste qui est la Rampage. Ivar, tu parles fort, on t'entend jusqu'ici. Pourtant, je suis en faible. Au niveau de la haie? On peut pas être partout, hein. Le Cobra Lead, on va peut-être essayer de pouvoir se libérer, mais ça dépend du nombre de packs. On va essayer ouais, d'avancer vers là-bas et puis nous, Viper, au pire, on commence à tenir ici. Si jamais il y a besoin, on se déplacera vers vous. Ouais, de Cobra, on y va. Aussi, Cobra 2. J'ai pas entendu là comme l'homme, forcément. Syrah, de Syrah, on bouge également, on décale le vendeur de pétrole. On range terminal les camions là. C'est bien pour être Syrah 2. On range pas, hein. Placez-vous intelligemment et restez sur les flancs là. Donc pour Viper, faites attention, on est seul sur zone et il y a le convoi de la LCO qui arrive là, je le vois sur le terminal. Je suis sûr à toutes les unités, il n'y a pas de convoi œil en cours, donc c'est juste des VL qui suivent le convoi LCO. Hein. Et de Viper, j'ai le convoi LCO en visu, il arrive, il est en train de traverser route principale. Ah, c'est vu de Syrah. On va rester. Je pense qu'on va rester dessus du coup. Oh putain. Ok, de comment on s'en prend quelqu'un. Syrah 2. Syrah 2, restez à proximité de Syrah. Dédé, t'as entendu? Et suivez les camions en fin de compte, on va les escorter, on va pas se décaler en pétrole. En fait, il y a des VL Rampage qui suivent le convoi LCO. Et il y a un des camions qui s'est fait arrêter. Et Mimbird sur position bijoutier qui fait du razmat. Direction terminale. C'est un de Mimbird civil, il n'y a pas de tireur donc tranquille. C'est du sable avant. Hein. Très bien, signale donc, fiston. Merci papa. Enfin, ouais. c'est plutôt tonton, et puis là il y a papa. Papa il a des plus grosses baloches que tout le monde. Hein. Donc c'est quoi en fait? Bah vous êtes Il y a en gros, il y a un de leurs camions qui s'est fait arrêter à la station. Il y a plusieurs balles rampettes qui les suivent apparemment. Ah, la fille, là, il paraît, il y a des vêtements concentrés sur zone noire. Ok, on va essayer de les effrayer. Les VL repartent direction Turbo, ça me tombe pas. C'est reçu. Les VL repartent. Ouais. C'est reçu, qu'on va prendre. Quel dommage. Le dernier camion est arrivé. A tous, je pense que c'est pas le bon plan. Ouais, les suivez pas Pierre Gauss. Hein. Sauf CPA, mais les suivez pas Pierre Gauss. Si j'ai une unité à terre, faut pas trop qu'on se disperse. C'est reçu, Cobra Lead, on va suivre les camions avec. Après. Ils vont pas venir nous embêter à cette heure-là quand même. Oh. Bravo. J'avoue. Là, je suis en Canada Disney, je suis en fréquence 2, bravo.
là vous êtes morts tous les trois. On a voilà. Deux camions qui sont au niveau de la station. Il n'y a pas encore de sauna quoi, je pense. Là, là. Alors je vous ai expliqué. Ils ont cassé. Moi je vous ai expliqué les gars, on est en appui, donc vous avez une maison à côté avec un mur, il y en a au moins un qui va se planquer là-bas derrière, il prend un appui sur le groupe. C'est logique les gars. Ça marche. C'est logique les gars. C'est ça, vous essayez de trouver des bonnes positions, environ 30-50 mètres de votre position, vous restez dans les parages, dans la zone, vous protégez la zone ouest. Voilà, là comme ça c'est un peu bien obligé de s'occuper de vous parler. Et les autres ils sont en appui, en mesure de venir renforcer s'il y a un problème. Voilà, c'est comme ça que ça doit se passer. Ok, sinon ça fait 2 minutes que j'ai dit communication urgente. Si il faut que je vous fasse la prise de service tous les soirs à la prise de service, les gars, je peux le faire, hein. Je m'en bats les couilles. Hein. Donc, il y a un camion en panne au niveau de Gravia. Touti. Hein. Reçu. Ok, on passe ce canal-là, il y a Dédé qui essaye de parler depuis 10 minutes d'une commu urgente. C'est qui parle? C'est bon, il arrive, il est là. Vas-y, je t'écoute. Non, mais c'est bon, le camion est revenu. Il y en a un autre que toi ou pas? C'est quoi la commu urgente? Il y avait un camion en panne à Gravia et il s'est fait prendre à partie. C'est toi qu'on est là. Non mais c'est bon, c'est le problème réglé. Si là on reste canada, vous pouvez vous refoutre en position vers le bijoutier. Pas trop près, pas trop loin comme tout à l'heure. C'est bien pris de Sierra 2. Ah, il revient. Il aime bien courir lui. Là, on est où là? Il y a un autre qui arrive! De l'aéroport, de la grande route. On va commencer, il y a un dernier camion. Ok. C'est bien pris derrière, prendre les ralats, prendre le roi là, il allait protéger les gars. C'est toi qu'on appelle Forest? Pourquoi? Forest Gump. Pourquoi? Je cours vite, c'est pour ça. Tu cours vite et dès que j'ai le 20-20, tu t'arrêtes, ok? Ça marche. Tu fais comme ça? Militaire. Vas-y. Il y aura un VL qui arrive sur le convoi. Tiens, là, si tu veux. Selon les terres de l'Est. Direction? Apparemment côté route principale, pas plus simple. C'est bien pris, c'est validé. T'es un boulet. T'es un boulet, mec, c'est pas ça. Bonjour à tous, le dernier camion LCO. Test radio. Bon, du coup, il arrive, merci. Cobra lead à tous les cobras en position sur bijoutier. Doucement les gars. Bien pris. Trouvez-vous une position stable et restez-y. Tire à vue, on est en position. Bon, il va me les mettre, les 10 pieds. Ah ben voilà. Bah, bibier que t'as, c'est un tripied. Non, ça c'est toi qui le dis ça, moi j'ai rien entendu, j'ai rien vu. Ouh là là, ça me choque ça. Ouh, appelez-moi Octavia vite. Ouais, mais moi j'aime beaucoup. C'est gentil. Bah, moi aussi j'aime bien. Moi j'aimerais pas. Je sais pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'apprécient pas. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? Je sais pas, les yeux des débiles. Ah oui. Voilà. Non, vas-y, tu peux éteindre. Je m'en fous d'assumer, tu sais, j'étais sur le serveur. Spring, bonne soirée, merci Juco, merci de ton follow, merci d'avoir été venu, merci de m'avoir tué, merci pour tout et de tes commentaires, super sympathiques et très intelligents. Merci beaucoup, à bientôt mon petit Juco, bonne soirée à toi. Revenez-nous vite. Ouais. Tada. Spring Telo TV. Spring Telo TV. Tu la veux celle-là ou. Non, j'ai dit directement. Non, t'as dit Spring Telo. Ah, je vais peut-être parler vite alors.
Springtello. Tu t'en mettrais une. Springtello, t'as dit. Springtello TV. Bienvenue sur Springtello TV. La radio du Ivar. Bienvenue à tous. Ouh. Bien sûr, c'est en fait, c'est une chaîne qui vous idolâtre. Non, mais à un moment donné, il faut que t'apprennes à fermer ta gueule aussi de temps en temps. Il est pas là, l'autre. Je crois. Je suis là. Ah merde. Moi, je... Le mec, wow. J'aurais bien fait un petit bisou sur le joue droite avec mon arme. Voir si, si elle est capable d'aller jusqu'à la portière passager. Hein, j'ai rien compris. Pan. Qui dit le monsieur? C'est qui? Ce qui est normal, c'est que certains ne veulent rien entendre de sanctions. C'est vrai. Ce serait donc. String Tello. Oh, je suis fatigué, Ivar. Oh, Moi aussi, j'ai une. Chira, vous me recevez? Oh, culé. On va tourner. On va vers l'acheteur de pétrole maintenant, tout de suite. C'est bien pris de CR2. Bon, bravo, j'ai le gars avec l'argent. Va. Le Cobra, on s'en occupe si vous voulez de l'argent. Il me semble avoir donné ordre que c'était pas Viper qui extrayait les gars, donc bravo, vous le laissez. Bah, il Cobra, est Cobra Lead a bien parlé. Je t'écoute. Si tu veux, on fait plus simple, je récupère le pognon, quand on se casse avec le blé, tu peux partir à pétrole comme ça. Bah, bien sûr, mais c'est ce que j'avais donné initialement comme ordre à mes Viper. Let's go. Vous êtes où Cobra, on y va. Il est où le mec? Avec moi dans la BM. C'est qui moi? Jura, sur Bravo. Vous êtes où vous? Devant le panneau. Je vous le dépose. Eva, tu tiens pas à me signaler que le camion à droite il fait de l'eau froide? Non, du fait que notre mission okay, est. Ok, tous les Cobras sur ma position, on va diriger la attaque. Oh, mais tu peux vraiment signaler, pour les Vipers, on reconstitue la rame et on va se diriger vers un vendeur de pétrole. Je vais vous signaler les informations les utiles. Je suis derrière vous. Derrière nous. Ils sont en pâté de merde à notre droite. Je crois. Comme ça. C'est ça. Ok, il est encore en haut. East, il est. Là. Ouais, ils sont derrière. Ah, il y a quelqu'un qui sont tech down. Allez, on y va, on passe, là, on se dépêche. Allez, on passe. Laisse les passer pas tout. Non, mais ils se take down entre eux, genre ils s'arrêtent, ils se take down. C'est après, c'est les gars de la SEO, on n'en demande pas non plus de faire le truc. Ah, c'est avec eux. Je sais pas. Albertino de Hockey. Quoi? Si tu veux. Albertino, tu vas aller à la PA, tu vas prendre Masketo, tu vas faire le binôme écho avec lui. J'ai bien pris la chance, Yoyo. Oui. Ça me manque de tout ça. Qui est avec eux là dans les jeux? Shelby avec eux, Raptor avec eux aussi. Ça me manque un peu, monsieur. Ça fait longtemps qu'on n'a pas allé voir Flipper, hein, Dédé? De quoi? Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé voir Flipper. C'est vrai. Un véhicule sur bas côté noir. Juste petite anecdote, Ivar. Oui. Bah, en fait, un jour, Dédé, il était dans les forces spéciales mondiales des commandos des meilleurs. Et en fait, il a été échoué sur une île déserte parce que l'avion a été abattu. Et par contre, si je peux me permettre de dire, il est qu'on est sur les seuls survivants. Le seul survivant, il était sur une île déserte. Pour s'échapper, il pétrole. On arrive, t'inquiète pas, sois patient, on arrive, commandant. Ok, reçu. Ça s'appelle des dauphins, bah lui il a fait ça avec des requins. Donc pour tous les Vipers, on se dirige vendeur de pétrole, Alpha et Echo, vous nous rejoignez dès que vous avez déposé et récupéré votre binôme. Terminé. J'ai tout mon équipement monté dedans et on va faire le binôme Echo. Donc on a besoin du TE. J'ai pas de véhicule du coup. Ah oui, mais Dédé c'est le commandant, t'inquiète pas qu'il a du beau véhicule. Je t'emmerde, Rance. Plus de pétrole, c'est les mecs qu'ils ont dit. Eh, n'oublie pas, fiston. Eh, oh, oh, oh.
Pour info, je suis TE aussi, d'accord? De quoi? T'as dit quoi? Et le commandant est TE aussi. Donc on va les baiser. On a un convoi en cours à escorter ou pas au vendeur? Tu auras une copie, je tiens. Le binôme éco. Je te parle plus, je te parle plus. Ah ouais, c'est là où ils amènent des camions, là, ils ont les bateaux sur la plage, il y a une Shelby qui est avec eux et un moteur qui est avec eux. Ok, il est lieutenant, moi je suis commandant. Oh putain la vache, tout ce que j'ai là-dedans. Et du coup, nous, là, nous on tourne, on les couvre. Ouh là là, mais il va se mettre dedans, oui ou mince? Ok, c'est bien pris, ben Viper, on va couvrir le convoi le temps de sa vente. C'est bon, mon commandant préféré, je suis dans votre véhicule. T'as vu tout ce que j'ai là-dedans? Ouais, j'ai vu, c'est déstabilisant. C'est un truc de dingue. Durant le métro canal 3. Vous n'avez pas accès. Donc pour les Vipers, même chose que tout à l'heure, Alpha vous bloquez la partie nord, Bravo vous bloquez la partie sud, Doc en réserve et Echo vous mettez au niveau de la plage. Terminé. J'ai pas écouté ce sud. Echo. Petit bonjour. On est où? Répétez pour Alpha. Mon véhicule s'il te plaît. Alpha, tu prends la partie nord. Tu bloques la route nord. Alpha, bien pris. Le nord au niveau de puits de pétrole, si j'ai bien compris. D'accord, alors attends. Il faut que je répare du coup. Bon, de toute façon, ils se mettront en place avant nous. Non, c'est pas ça, c'est qu'elle était déjà cassée. Elle était déjà cassée, Oui, non, effectivement, oui. Bonne nuit, mon petit WoW. Merci d'avoir été là, merci beaucoup. Bonne nuit à toi. Ouais. Elle était légèrement jaune, la voiture. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ah, c'est acheteur de pétrole, en fait, qu'on voit. C'est acheteur de pétrole? Bah, a priori. T'es beau. Ah, je sais. Au nord, X, Y, X, Y. T'es beau. Je vois que tout le monde est au nord. Deux docks. Non, c'est pas un dock. Comme je pars à 23h30, faudrait quelqu'un pour me remplacer avec Doc. Partez sur le canal 2, les gars. Pour ce genre de choses. Donc, c'était quoi votre com là qui a besoin de se faire remplacer? Doc, j'ai mon dégât. À 23h30, qui va partir, du coup, il faudra un deuxième collègue à l'intérieur de votre vidéo. À tous de DD, j'ai un Raptor noir et une Chevrolet noire. Chevrolet noire, c'est avec eux. Il part direct, il part sécuriser l'argent, direction BR. De CPE Lead, CPE Passage Canal 4. Sierra, à partir de 23h30, Bellucci, tu iras avec le doc. T'as reçu. On passe Canal 2 du coup. Pensez à mettre à jour les points cartes. Ah, mais il y a une intervention. Et tu vas conduire là-bas? Tu vas conduire? Ah, reçu, je peux essayer de faire ça. Vas-y, conduis. Sinon, tu vas t'ennuyer. Oh non, je m'ennuie pas. Ça me laisse le temps de me poster correctement. Ah, ça part vite la Mercedes. C'est pas une voiture de PD quoi. C'est quoi le Ford Ranger là? Je sais pas. Qui fait là? Oh, mais il a failli tuer ses collègues. Oh, c'est le collègue de la CIA. Putois, tu vas me refaire tes héros tout de suite là? Arrête d'abîmer la chaussée. Oh, c'est punaise, c'est Joël. Comment t'as laissé mon nom? Je suis connu dans les services. T'es pas connu, c'est Ivar, tête de pin. Non, ça va pas, non. Ah, depuis que je l'ai entendu, non, ça va mourir bien. Si tu veux, Ferrara.
Oui. Bonjour Ascure, et ouais, je peux parler à un de vos gradés. Oui. Ah, oh, bah ça se retient un bœuf. On va voir. Ouais. Tiens. Oh là, ouais, attention. La police elle est pas contente, vous avez cassé un arbre, les gars. Je peux vous parler, je peux vous parler à l'intérieur ou pas? Ça dépend. C'est un rendez-vous romantique. Tu me dis vite, avant longtemps qu'il a pas. Bah attendez, je vous donne ma carte, vous pouvez vous pencher. Et tout de suite là maintenant? Comment? Solo, peut-être pas, non? On va peut-être commencer par s'échanger les prénoms. Attends, ouais, bien. Alors, un whisky, vous en voulez un ou deux doigts? Question. Et alors, tu t'es fait enlever ta licence comme ça? Attends, j'ai pas de problème. Employé normal, maintenant. Non. J'ai fait, toi. Ah, là, là. Bonjour. J'ai fait, toi. J'ai été recruté aujourd'hui. Oh, et merde, puis t'es viré. C'est les commandants déjà. Mes honneurs. Mes honneurs, c'est ça. Bah, tu restes devant la porte, tu la surveilles. Y a pas de chaise. D'accord. Je vois qu'il y a des chaises que pour les commandants ici. Ouais, c'est ça. Bon, qu'est-ce que tu veux, Yuri? Bah, juste prendre de tes nouvelles déjà. Prendre des nouvelles de la police. Ah, ça va. Et ça va. Je parais qu'il n'y a plus mon unité diplomatique. Ah non. Je l'ai pris, je me suis torché le cul avec et je l'ai foutu dans la cheminée. On va voir comment ça se passait après une telle absence. Ah bah ça se passe mal. Comment ça? Ah, je sais pas. Il est planté, mais merde. Il y a des choses qui changent. La ville n'est plus la même. Il y a toujours un ministre, mais c'est plus Monsieur Bellic. Donc j'ai perdu mon unité. Exactement. Donc. Moi vous avez un Tu me donnes vous combien? Un Raptor qui arrive au vendeur, sûrement avec eux. Bah, tu me donnes combien? C'était un Raptor Oil. Allez, pour les Vipers, direction Pierre Gosse. Je sais pas que. Alpha vient prier, le commandant est en train de discuter. BA, on arrive dès que peut. Non, mais je venais voir si peut-être reprendre du service ou alors. Ok, tu feras attention. Bah, prouve-moi que t'es encore à la hauteur, Yuri. Répète Octane avant de ta réponse. Ah bon, ok. Moi, qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu vas le blesser. C'est bon. Pose-moi ça, tu vas le blesser là. Oh là là, il n'y a pas de formation. Allez, il veut déjà utiliser un taser. DC. Direction c'est... DC, bijoutier. À la DC. Mike! Est-ce que la recrue Tota te parle? Négation, j'étais en train de me demander à qui il appartenait, lui. Tota, c'est un cobra, je crois bien. Ah, parce qu'il est en train de s'amuser avec le taser, il veut me mettre au courant. Ah, non, pas du tout. Vous êtes commandant, en fait, ce que vous voulez. Hein. Bah, j'ai peut-être une idée, mais je pense que le cobra, faudra qu'il recrute. Il faudrait ton numéro, par contre. Le 17. Ah, mais bon. Je crois qu'il m'avait dit cobra, moi, quand je l'ai whitelist. Hein? Il y a des messages que je pourrais pas transmettre au 17. Ah, est-ce qu'on peut l'abattre? Ah! Non. Est-ce qu'il y a des... Non. Sierra de DD. Écoute. J'ai besoin d'un mec rapidement sur la BL1. C'est quel sujet du coup? J'ai... Enfin, il me faut quelqu'un de la Sierra. Allez, pour tous les Vipers, les autres, la DD, il nous rejoindra après. Vous allez vous poster au bijoutier comme tout à l'heure. On tient le bijoutier, la DC va arriver. Terminé. Alpha, on se met en place comme tout. Bah, je vais reprendre les livraisons dans ce cas-là. Donc pour info, le DC est en chemin. Je vais refaire les livraisons, je vais vous livrer des criminels. C'est ce que t'as à faire, mon petit Yuri. Chaque fois que je te vois, j'ai envie de me récurer les dents et de cracher sur les chaussures. Parce que c'est pas normal que t'aies des chaussures plus classes que les miennes, en fait. Ah, mais y'en a qui ont su signer les bons contrats. Bon, t'es qui, toi, en fait, là? Viens ici, toi, la Tortue Ninja, là. Oui. T'es qui toi? T'es quelle unité toi? Antoine Tota. Tota comme le footballeur? Comment? Comme le footballeur? Oui. Non mais y'a pas de footballeur qui s'appelle Tota. Si si, un footballeur. Ah ouais. C'est le père à Mpokora si vous savez quoi. Ah ouais bah c'est ça, exactement. Tu connais Mpokora? Ouais bah oui. Bah vas-y chante-moi une chanson. Vous voulez laquelle? Je sais pas, comme tu veux. N'importe laquelle. Oui, c'est la même. Où chanson. Ah, sur mon arbre.
T'es sûr que c'est même Pokora ça? Oui, bah oui, c'est des reprises du Claude François. Il a repris du Claude François. C'est la majorité qu'on s'aime de semaine, la même. C'est même l'album, c'est My Way. Ah ouais, My Way, ouais, c'est ça. Vas-y, chante, chante. Même. Oh, je connais pas tout. Chanson. Oh là là. La t'es Cobra, toi? La différence. T'es Cobra alors, toi? Oui, négatif, Cobra. On va y aller, Cobra lead de Dédé. Ah merde. Cobra lead de Dédé. C'est pas des. J'avais dit qu'on prenait les mêmes positions, les gars. Donc, Cobra lead de Dédé. Je rends. Cobra lead de Dédé. Ils m'ont dit après minuit ma formation. Gambino. Gambini. Gambino. Il est trop loin. Salut. Mes honneurs, ouais, mais alors mes honneurs, hein. Mes honneurs, regarde, direct comme ça, voilà, ah, bah direct comme ça, mes honneurs, mon adjudant. Tiens, t'as le fils de Man Pokora, t'es bien, t'as même pas correct devant toi, là, il va te chanter une chanson vite fait, là, vas-y, chante une chanson, chante une chanson à ton leader, chante une chanson à ton leader, allez, allez, c'est la même chanson, c'est la même, voilà, allez, on se casse, tiens. Ouais, mais la différence avec lui. C'est que toi tu n'es plus là, oui c'est la même. Va voir avec lui. Voilà. Et les tapettes. Alors viens, je vais te montrer comment t'équiper. T'as lu un peu le doc toi? Oui j'ai lu. Bah alors t'équipes pas encore en fonction. Putain, je sais pas d'accord. Qui c'est là. Ouvre la porte. Et quand tu es prêt, son petit père est belge là, mais il est beau. Comment? Ouais, t'as vu, je suis beau hein. Il est beau sous son petit père est belge là. Ouais, c'est beau. J'aime bien aussi. Beau. Bon, c'est pas tout ça, mais je vais prendre ma bagnole et je vais y aller. Hein. Attendez la fin du bijoutier pour venir avec nous, comme ça Viper va pouvoir. C'est bien pris. Ah, comment tu y as cru en fait? T'y as cru, hein? Tu vas m'envoyer en l'air? T'as du dent, toi? J'étais avec le commandant, mais je crois que le commandant nous a fait un tour de logique. Négatif, c'est bon, Viper, je suis dispo. Okay. Faut que je monte un grade bordel. Je suis là où il y a la BA. T'es où à la BA? Oh, Dédé. Oh, Dédé. Oh Dédé, je vais venir te jeter un pont de ta voiture et un parking ainsi dans PV. Oh Dédé. On va décaler Pierre Gousse. Oh Dédé. Pourquoi tu veux aller à Pierre Gousse? Tu vas aller chercher la merde là-bas? Ah non, c'est ce que j'allais dire en fait. On n'est pas obligé de décaler, on peut essayer. Non, on va pas y aller, on va leur foutre la PV. Et on va aller de l'autre côté. Alpha, je t'ai tué. Attends, rentrez bien, c'est pas d'or ça. Oh Dédé, je vais venir chercher ta voiture et prendre ton PV. Je vais essayer d'aller dans les rues de Paris pour aller dealer. Oh Dédé. Alors, c'est bon? Putain, je sais pas, vous l'avez recruté où celui-là là-haut là? Eh ben allez, je suis parti, on a du pain sur la planche les enfants. Donc pour les Vipers, attention, restez sur position, le DC est en train d'arriver sur nous, il y aurait des tirs à Nico. Ok, ça m'aide pas. T'es un bouton là. Qu'est-ce qu'ils font? Mais bon, et moi, mes Vipers, ils s'en battent les couilles de moi ou quoi là? Hein? Ils sont partis sans toi? Ouais, mais c'est normal, j'étais occupé. Ah, d'accord. Et Attends, là, ils sont en défi de mode là-haut, je pense. Ivar, si tu peux me récupérer, je suis dispo. Hein. Ouais, j'arrive devant le bien. Sem. Oula. T'entends Mike Bellic dans ma voix là. J'en laisse la place. Ouais, merci fiston. Ah mais la voiture elle dérape pas celle-là? Elle met pas de coup de frein à moi? Hein? Je dis c'est une voiture qui met pas de frein, qui a pas de frein à moi. Non, il y a des voitures qui ont le frein à moi et déconnent en fait. Ah. Alors, hey, yo, Mortaxi, comment ça va? Bienvenue, Mortaxi, monsieur Ferrara lui-même, le seul et l'unique. Oh, j'ai failli baiser quelqu'un, je sais pas qui j'ai failli ban, là. Mortaxi, yop, yop, Mordori GPP, il a été pris en même temps que moi, lui, le pauvre. Oh, merde. Il y a des Taoumors qui... Il y a ton faux vert de travers. Ouais, regarde, c'est génial, hein.
C'est génial, mon fond vert, regarde. Ça me fait ça depuis le début de la soirée. Alpha, c'est de la merde, il est mort. Il m'a lâché, mon fond vert. Point sur carte. Faut que j'en rachète un nouveau. C'est la misère, les gars. Ça devient du pire en pire. Regarde, hop, tu vois, il se barre, il est pété. Regarde. Dès que je bouge. Ok, pour tous, Hummingbird. Probablement rampé. Je vous ai mis le compact. Douglas, Hummingbird, il est dans la position. Donc, je pense que je vais acheter un fond vert avant le siège. Sur le bon endroit. J'ai pas le choix. Hein. Parce que là, je sais pas quoi faire, les gars. Ah ouais, je vais crever. Ouais, je sais, il y a mon fond vert qui déconne. C'est comme ça les petits. Hors de situation sur budget. On a plusieurs véhicules suspects qui nous rôdent autour de nous, ainsi qu'un hélico avec tireur sur banc, type MH9. Oh, la DC est en route, elle n'est pas encore arrivée. En fait, j'ai déjà trouvé le fond vert. Alpha. C'est un fond vert avec un socle que tu déplies. En fait, ça se déplie et ça se rôde. Pour Alpha. Et c'est un support carré, ouais, comme c'est ça, un support carré. Vous pouvez mettre un point sur le fameux Tao, s'il vous plaît. Faut que j'aille sur Amazon, comment ça trouve. Un fouet, c'est un hélicoptère, il y a... Terminé. Je vais voir ça. Chirali, on m'a tué. C'est casse-couille, hein. Franchement, c'est chiant, quoi. Putain de fourrure. C'est possible que le PAX nous a suivi de très très loin de sur Alpha. Toi, j'ai boudé pour qu'il tienne un peu, mais il tient plus. Donc voilà. Donc, Alpha, on est en place. Bah, il est mort, il est mort. Alors, il se passe quoi là? Alors, on a. Donc, pour les unités sur Bichoutier, arrivée de la DC estimée dans 2 minutes, ils sont sur Galadi. Sur zone avec hélicoptère, pour on vous dépose Mike Bellic. Merci. Déposez-le au niveau du bijoutier, s'il vous plaît. Au niveau du panneau? On a des véhicules qui nous tourneraient autour. Sur moi, sur patrouille. Ouais. Les mecs arrivent. Ok. Ouais, mais si je prends un truc fond vert après cher, ça m'attaque. Oh, tu vois. Catastrophe. Quoi. Ouais, c'est bon, ça m'a saoulé le fond vert. Hein. Hop, ouais, est-ce que j'ai le temps de me fumer une petite trop tard. J'ai coupé la cam. Allez, c'est bon. On va se donner le temps. Hein. Mon commandant, vous me prévenez aussi. Ouais, t'inquiète. T'inquiète, je gère. La Cobra Lead, vous avez un MH4 qui passe au-dessus de la BA. Un MH4. Ah, y a un MH4 qui arrive, les gars. Hachum! Un MH4. Direction. On vous dépose Bellic. Ouh, je viens de voir que j'ai 300 000 sur moi. Sur un 2, vous êtes où? Dans ton cul. Cobra Lead, c'est pas... Cobra Nap. Cobra Lead, c'est pas... Transmet. T'as une recrue à la BAC. Le Dragon 2, je mets une info. Vas-y, Dragon 2. Viper Lead de Bellic. Non, problème. Je me mets avec qui quelle unité va y aller? Bravo, regarde la carte. C'est là-dessus. C'est quoi, c'est un tabou qui est là-bas là? C'est quoi? Où ça? Un véhicule en face de ma position entre les deux armes, je suis pas sûr. J'ai juste vu un truc avancer. Ah, c'est les camions, ok. Ouais, c'est les camions. Ah, j'avais juste à trop entreaperçu. Ouais, on est derrière. De toute façon, mon commandant, je vous protège au péril de ma vie. Merci, mon ami, c'est un peu plaisir. C'est vraiment qu'un crevard, voilà. C'est bien ça le problème. Je comprends, mon commandant.
Je suis prêt à me faire rétrograder si besoin est. Fais ton boulot, fiston, fais ton boulot. Est-ce qu'on sait le cas de la vie? On s'en accueille dans le bras. C'est bien pris. Commandant, on a un... Il y a un L4 qui est en train de se poser au niveau de tour armé. Trois personnes là-bas. Illico, type L4, bah vous le voyez, je pensais. Ça doit être un peu. Confirmé. Prêt à abattre. Deuxième L4 qui vient à la partie au niveau des tours armés. Il y a un tir sur le. Pour tous les deux L4, on est tireur. Hein. Les unités qui sont au sol, vous faites attention, ça va peut-être venir. Hein. T'as un verre sur les bancs si c'était eux ou batteux. Batteuse. Oh bah ça va encore partir en kick-out avec nous, ça va prendre du coup. Peut-être qu'on est en offre, on regarde s'il y a pas des VL qui arrivent sur nous. Reçu. Répète Octa. Je reste en offre pour regarder s'il y a pas des VL qui rushent mes outils en offre. Suspicion de tireur sur toi solaire. Dragon 3 pour Dragon 2, c'est de faire vite en un 3ème Dragon d'air. Moi je suis chez vite. Le CP à lead, plusieurs VL perçus au niveau de la downside. Ah le mien, il est vide. Ah mon commandant, ça ouais. Sent que. Ça sent la merde là. Pourquoi? C'est pas moi qui ai chié. Cobra lead, tu pourras procéder à l'extraction de la DC ou pas? Bah la rampage. Bah écoute. Du Cobra 3 on peut s'en charger si vous voulez. Impeccable, c'est ce que je voulais. Mike Cobra, mon Marco Duroy, vous occupez de ça. C'est reçu. Pour le reste des Vipers, on attend que l'argent soit parti pour se mettre en route et on les suit à distance. Bravo. Aéroport. Ouais, direct. Non, le casino il est à la LC là. Ouais, vous pouvez mettre un camion par là, ça chauffe sur vous, Calme pour les calmes. C'est bon, du roi, je viens avec le VL. Ok, c'est bien pris pour tous les Vipers, on se met en route, on les suit à distance. Ok, non, mais le monsieur qui a l'argent raconté pour CP. Transmettre en ordre. S'il crève sur situation. Sur bijoutier, pas de problème, mais Douane Sud, on a quelques VL ainsi que 3L4. J'arrive. Les deux commandeurs, on emmène le monsieur au terminal. C'est reçu, tout pour attendre. Alpha, on est derrière vous. C'est chaud de la braise. L'argent en sécurité là. Reçu. Info expo. Hélico civil du coup. Les
Alpha, on va sur l'hélico qui vient de tomber. Ok, argent sécurisé. Civil. Ok, c'est bien pris. Viper, retour canal 2. Bravo, ça va aller sur canal 3. C'est pas si. Ah, y'a des mecs qui sont pas là jusqu'à au-dessus de l'aéroport, ouais. Rampage. Alpha, on a les 4 qui se posent sur nous. Gars, vous libérez, ça doit être avec eux, j'arrive de Dragon 2. Ok, on se met en position, on attend le renfort. Est-ce qu'il y a des packs tour solaire, faites gaffe, ça va sûrement tenter de taper. Bravo, on y va. De Bravo, on est dessus et a fait. C'est potentiellement un rampage. Ouais. Annuler, c'est civil, simple civil. Je check le tour solaire, il y avait rien, pas la rue. Allez, pour les Vipers, on se met en position autour et on observe. On voit comment ça se passe, vous sortez, vous, vous mettez en position, vous montrez que vous êtes là. Je sais pas s'il ferait pas partie de la rampage. Et passage canal 1. Oh, mais il est armé lui là-bas. Ouais. Passage canal 1, c'est ça. Du coup, oui. Que se passe-t-il là? À part l'hélicoptère, il y a des véhicules au sol là? Justement, c'est pour ça on surveille l'hélico, je sais pas à quoi ils s'amusent. Ils attendent qu'on claque une semaine surtout. C'est ce qu'ils attendent. De se poser. C'est bien, essayer de vous mettre au-dessus si vous arrivez. Ouais, vous inquiétez pas, si il se pose, je me mets au-dessus. Ouais, je doute pas de vous, ouais. Je suis déjà tout placé. Dédé, donc. Mais avec tout ce qu'il y a au sol, il se posera pas, les gars. Tu veux pas aller lui demander d'aller se poser gentiment, toi qui sais bien parler aux gens? VL, écartez-vous du... Mais qu'est-ce qu'il cherche là? La Soma. Il cherche la Soma, les gars. Bah ouais, mais au bout d'un moment, on va plus te donner pas ce qu'il veut là. Je crois que c'est ce qui va se passer. Bah, en fait, ils aiment bien faire ça, la dernière fois, ils l'ont fait 10 fois d'une BR donc. Ouais, la prochaine fois qu'ils font ça, c'est Soma direct, les gars. Ça, c'est bien pris. CPA, vous vous en chargerez. Ouais. Et les Vipers, une fois que la Soma est partie, et que le Dragon est terminé, merde, il y a du monde tour solaire ou pas? Ah, oh, cassé. Alpha, on a besoin de. Je ne mange rien. Ok. Monsieur, dis-moi si ça bouge. Actuellement, j'ai une camionnette de. Petite camionnette, les premiers camions. Blanche, cabine, 3 packs à l'intérieur. En page. À quel niveau? Arrive au niveau. Qui arrive vers la douane, elle passe le pont en douane sud, elle passe le pont actuellement pour aller à direction acheteur de pétrole. Quelle direction t'as dit, Sherman? C'est pas les Mingbird là-bas? Ouais, le sud, le Vipers, on a acheteur de pétrole aussi à celle au-dessus de l'acheteur de pétrole. Ouais, c'est le leur. Pour info. Donc je répète, un deuxième acheteur. Parlez pas tout seul. La camionnette blanche qui passe la douane actuellement là. Avec du remorque noir, 3 packs. Allez, fonce. Si elle prend la petite route là pour aller à l'acheteur, prenez, foutez une air. À la limite, elle va vite fantôme. Là, elle a fait demi-tour. On fait quoi, on va dessus? Bah pour Viper, on essaye d'aller voir, oui. Allez, Viper, vous venez sur ma position, on va procéder au contrôle de la camionnette noire, vous mettez tous en position autour de nous si ça prend. Information, c'est Pax, hein, c'est confirmé, je les ai vus monter. Allez, Alpha, vous procéderez au contrôle et les autres mettront en position. Pax, Alpha, confirmé pour Viper. Viper, on a la camionnette noire direction Pyrgos après douane sud en refus d'obtempérer et le L4 qui est aussi au-dessus de nous, terminé. Du coup, c'est pour vous, commandant. C'est alors que les autres arrivent, vous dites que c'est pas ils arrivent. Ils vous demandent de. Faites gaffe, la... potentiellement R, c'est route principale. Hein. Ouais, c'est sûr, faites gaffe. Ouais, si on prend en off-road, faites gaffe, les gars. Les anciennes positions des Rampage, c'était Sharkia et Pyrgos, donc.
actuellement j'ai rien aux alentours, donc si vous voulez taper ça va être maintenant. Ok, allez arrête-toi fiston. Arrête-toi. Arrête-toi fiston. Arrête-toi. Bon, ça refuse de s'arrêter. Fais l'affirmatif, faites vite avant qu'il rejoigne pas Gosson. Arrête-toi. Ok, allez, on essaie de l'intercepter maintenant. Allez, maintenant, on encercle. Putain d'arme. Ok, tapez l'assaut, moi, c'est bon. Ah, take down. Allez, c'est parti. Ah, c'est bon, les conneries à un moment donné. Commandant, commandant, monte-moi. Ouais. Bon, au bout d'un moment, c'est bon, les conneries. À un moment donné, faut arrêter les conneries. Hein. C'est bon. Je suis un strider médical. Bon. Allez, on bouge. Pff, ouais, c'est bon, les conneries, à un moment donné. C'est bon, je suis là à côté de vous. Tu es aussi ou pas? Pas du tout, là, je suis en train de suivre, mais. C'est trop long. Il y a un escalier, hein, fais gaffe. Il est coma, mais c'est. Non, attends, il est où là? On est toujours tout droit, et t'es... ouais, et ça va être à gauche, mais tu prends pas jusqu'au bout. Là, les dômes, tu vois les dômes en face de toi? Ouais. Bah, c'est là. Okay. On se positionne dans le bâtiment, peut-être? Ah, c'est loin. Ouais, ouais, c'est loin. On est très loin. On se mettait. Sinon, tu peux y aller, hein, ils sont comme les autres. Ils étaient trois avant. Ouais. L'autre est dans le premier palier et l'autre dans les escaliers. Ils sont, ils sont tous comme. Il y en a une qui est déjà morte. Écoute mon dragon. Transmet. C'est de casser on a une force focus qui se rapproche du fight sur la position écho. Fais gaffe, on suit. Bon, vous avez des positions de Pax ou pas? Affirmatif sur Echo, sur Echo. Alors Echo c'est qui? Vignal, Bertino et Dylan. Il y a rien dans la tour les gars, ils sont tous comme un. Vous avez des positions ou pas Vigny? Vendeur de camion sur Albertino. Basketo tu l'as vu. Ah. Il était seul, il était seul. Eh ben c'est ça qui est le bon. Cobra lead à tous les cobras, on va checker. Hein? Le petit stress. Ok, c'est ça pour tous, bon. Le pax sur la position écho est traité. Bravo de Cobra lead. J'écoute. Faites attention, il y avait un TE et je l'ai perdu du. En, ouais, en VR dans les collines. Couleur du véhicule. Couleur du véhicule et type du véhicule. C'est un véhicule noir, j'ai pas vu le type de véhicule, j'ai vu un TE avec un mec. Ça marche.
de la PMA. BA. PMA active BA. C'est bien fait. Le Cobra 2, on a cassé. Non mais recule là. On arrive de quoi? Ah, mon véhicule voulait pas reculer. En train de chercher le Pax. On va passer par là, on va remonter là-haut. Albertino pour DD. Transmet. J'ai un bouge. Bon, on en parlera plus tard. J'ai failli le retransmettre. Plus il est en réalité. Les commandos. Le lieu de vol. Info sur notre Pax ou pas du tout? Laissez pas Snit tout seul s'il vous plaît. Ne t'inquiétez pas. Alpha, on est reparti. Courrier de tous les cobras, direction Vendor de. C'est reçu, on vous attend. Pas loin de la cobra 3. RS Pierre Gauss. Fais gaffe, il y a un fort focus à ce moment. Rocket de Viper, de Viper lead pour tous. On se regroupe. Et on va se diriger sur Rocky et Odor qui sont en train de se faire soigner. Cobra lead à Cobra 2 et Cobra 3, vous pouvez faire la paix. Cobra 2 au complet. Cobra 2 complet. Cobra 3. Viper tous au complet, mis à part mon équipe. Alpha, Alpha. Par contre, les Alpha ils sont en train de. On va passer canal 3 vu qu'il n'y a plus rien. C'est où les Viper? Viper, on passe canal 2. On se redirige à la BA s'il vous plaît pour tous. Bravo. Si vous voulez bien déraper celui-là, ce serait bien. Ah, super les panneaux là, avec les trucs incassables, là, j'adore. Avant ils cassaient tout seul et maintenant. Ah, c'est bon, j'ai baissé Doc, il faut y aller. Allez-y Doc, hein, y'a pas de blessé, ah, c'est bon. Cover, comme... Putain, j'en ai marre, mon putain. On va monter 4 fois. T'as tout qui se pète en même temps là, entre le jeu. C'est franchement désolé les gars, mais là ce soir c'est vraiment la bonne. L'adjudant de dire quelque chose. Putain, c'est vraiment une misère. Ce qu'il veut. Lui. Ah, mon commandant. Soudure. On vous a ouvert la porte de direction aéroport si vous voulez. Ah non, c'était fermé. On s'est shoot. Ok, le dragon, on s'en occupe.
Ah, on rejoint les collègues, on va essayer de les aider, on reste pas loin de vous. Ouais, c'est L4, c'est L4. Pour tous, parce que. Affirmatif, Sinid vient nous récupérer et après on va rejoindre les collègues. Mon collègue commun. Position A, visu. Pour tous, passer Canana. Quoi? Commandant. Oui. Ça pue, mon commandant. Pourquoi? Ouais, ça je vais rentrer dans la VR. Les collègues viennent de se faire tirer dessus, il y a L4 qui est en train de shooter, regarde. Ouvrez la porte, ouais, commun, et je suis très blessé. Ok, attends. Vas-y, c'est ouvert, porte. Parking. On se positionne pour tirer. Ouais, dès qu'on peut. Bon, on est prêt. Bien, Billy, grand voiture. Non, c'est bon, regarde, il est là si tu veux. Tu peux ranger, je pense. Oh, rassure, il y a que des. Volonté, abattez-le. Il y a que des L4, c'est ça? Affiche, ouais, sortez des douches là. Bah, juste une douche là. Oui, douche là. Le tireur est commun. Il change pas là. Je suis dans la map. Il revient vers nous, préparez-vous. On se reçoit des tirs dans les 4 dessus. C'est qui lui, t'es Canis là? Masqueto? Echo. Pourquoi t'es isolé comme ça là-bas? Tu fais quoi là-bas? Parce qu'on voulait prendre un homme pour taper avec le M320 sur le sur l'L4 qui était en train de se faire de vous shoot en fait. Ok, ça va. Je vais faire le BA. Et comme 320, on allait éviter d'être dans le groupe des mitrailleuses. Si tu peux, ouais. De toute façon, on a des unités autour de la BA. C'est bon, BA fermé. Bon, quelques problèmes techniques ce soir. Putain. J'ai déjà vidé deux chargeurs quoi, dingue. De quoi? Info sur BA les gars. Il reste que le L4 je pense, faites quand même attention. Ouvrez-moi la porte à l'aéroport s'il vous plaît, vite. C'est grave docteur. Tu la traçante les amis. La guerre des étoiles. Oh mon cerveau. Allez, tire le coup en Est-ce que vous avez une douche car les gars s'il vous plaît pour moi? Ouais, si j'en ai. Vous pouvez me sortir une douche KBR si on vous va la sortir, on va la sortir. Attends, j'ai la vieille, j'ai la HMG, l'ancienne. C'est du 5. Moi, il me faut celle en 12-7 là qui te. Ouais, mais la 50 elle arrache plus la gueule. Sortez n'importe quoi, mais défoncez-le. Il va arriver sur la B en plus, les gars. Non, vas-y. Moi je vous l'emprunte. Là, on va commencer à discuter avec des armes avec lesquelles je sais jouer. LRPS. Ouvre la touche. Quel niveau il est, lui, machin? Ouais, il s'est barré. Ah, c'est bon, j'ai envie de. Ça arrive sur vous, attention. Pourtant, on a rien niqué. Il est mort. Ok, sur Momo, j'ai un coma. Je remonte avec moi. J'ai eu le coma. Bien pris, t'es où? Non, je suis pas commun.
Ouais, il reste plus que son principal là. Ça sert à rien de tirer là jusqu'à ce que tu tires tout derrière. De quoi? On s'est fait tirer dessus. On se prend des chutes de yo-yo. Ok. Ouais, c'est le tireur de L4, il est un tireur. Bah, il s'est réveillé le tireur. Ouais, ça y est. Putain, j'ai plus de mule. Ah, c'est super. J'ai envie de savoir qui c'est. Channel switched. Bon ben voilà, petit problème de matos ce soir. Désolé les gars pour le fond vert, mais bon voilà, problème de matos, ça arrive des fois que ben, le matos il lâche, voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. Bon ben voilà, bon ben je vais régler ce petit problème de fin de soirée. J'espère que ça a été de votre côté. Merci à tous d'avoir été fidèles. N'oubliez pas de revenir nous voir sur YouTube pour nous revoir les lives et les gameplays, mais également sur Discord pour avoir les notifications de la mise en ligne des vidéos YouTube et des débuts de live sur Twitch. Voilà, n'hésitez pas, surtout, tout est dans la description. Venez nous voir. Il n'y a pas de souci particulier. Bravo Up de ce soir. Si, pardon, parce que j'ai plein de trucs dans la tête en même temps. Bravo Up de ce soir dans la police. Merci de votre fidélité. Merci à tous. Merci de vos commentaires chaleureux. Merci aux nouveaux followers. Merci beaucoup. Merci à Juko. Merci à Taku. Merci à Sergei. Merci à Momo Starsky. Merci à Stevers de T-Beats. Merci beaucoup. Bah voilà. Bon, allez, je vous fais plein de bisous. J'ai plein de boulot d'administration maintenant à faire. Merci à tous. Très bonne soirée. Prenez soin de vous. Bonne nuit. À bisous mes loulous. Et voilà la famille. Le streaming est maintenant terminé. Mais avant de vous quitter, je tenais quand même à tous vous remercier. Merci à tous les followers et tous ceux qui ont followé dans la soirée. Merci aux abonnés et tous ceux qui se sont abonnés. Merci aux donateurs et à ceux qui ont donné dans le passé. Merci à tous de partager Springfield TV. Merci également de cette grande fidélité. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner sur YouTube pour revoir ces vidéos au petit déjeuner. Et n'oublie pas que tu as Discord pour rejoindre cette fabuleuse communauté. Ouais, c'est viril. Et pour conclure, je tenais à tous vous remercier de cette énorme fidélité. Merci à tous, c'était Springfellow TV.